Bonsoir. Je ne sais pas pourquoi. Ah, d'accord. J'ai dit qu'on ne pleure pas. On ne pleure pas. Bonsoir. Bonsoir, mes compatriotes. Bonsoir, mes frères. Bonsoir. Je vais vous parler un peu à cœur ouvert ce soir. Vous savez, dans la vie, il faut apprendre à assumer qui on est et ce qu'on fait. Il y a certaines personnes qui ont l'art d'une manipulation extrême. Et j'ai mal. Et ça me fait rigoler. Je vais commencer par m'adresser à l'Ouest. Dans ces réseaux sociaux, vous savez que j'ai toujours été claire avec vous. Depuis le début, je suis venue vous dire que j'en ai marre. Qu'on vient vers vous quand on est mal. Quand on vous utilise, on dit les mots qui vont vous blesser. Quand on est mal. Et on vous méprise. Alors que ces personnes ont un profond mépris pour vous. Qui viennent vers vous quand ils ne sont pas bien. Je ne sais pas s'il y a un problème. Je ne sais pas si vous faites semblant de ne pas voir. Ou vous avez tellement besoin de cette mascotte qui est Malène Mvoutou au point où vous refusez d'accepter. Une petite preuve. Dans son direct, elle m'a traité de porc. Vous pouvez comprendre l'extrême tribale qu'elle est et l'extrême manipulatrice qu'est cette femme. Une mytho patentée, une menteuse. Aujourd'hui, elle sort jouer la victime. Elle parle du professeur Maurice Campton, lui donnant des éloges. Il y a 5 directs en arrière. Elle disait que non, elle ne peut jamais le supporter comme président. Elle ne peut pas parce que, oui, il n'a pas un charisme. J'ai dit, il y a 5 directs en arrière, elle le disait. Mais aujourd'hui, elle lui donnait des éloges les plus. Malène, vous te dénonce quoi que qui n'a pas dénoncé? Malène, vous te dénonce quoi que quel combattant de la base n'a pas dénoncé. Malène Mvoutou est avec vous aujourd'hui. Vous suivez Malène Mvoutou parce que elle insulte le régime. Mais je vais vous dire quelque chose. Ça vous rabaisse et ça salit ce parti. Parce que ce parti n'a pas besoin d'elle. Et ça fait en sorte que vous n'êtes plus considéré. Vous avez pris le vase zéro un moment. C'était lui partout, partout. C'était votre mascotte. Il a fait son temps. La nouvelle mascotte du MSC,
La recrue, c'est Malène Mvuto. Qu'est-ce que vous revendiquez? Le changement au Cameroun? Qu'est-ce que vous revendiquez? La souffrance? Qu'est-ce que vous revendiquez? La présidence? La présidente? Et vous voulez me dire que la fille, celle qu'on appelle le docteur, la plus intelligente du Cameroun, la plus belle femme de la terre, la plus instruite du monde, qui a mangé dans le régime, qui a pillé les caisses de l'État. La CRTV fait partie des maisons de télévision les plus moches de l'Afrique. Vous avez vu quand on a reçu Francis Ngannou à la CRTV. On voyait les moquettes qui étaient gonflées, les trucs qui étaient sales. Vous l'avez vu quand on l'a reçu dans d'autres pays africains. Comment ils étaient installés. Vous demandez quel changement? Et vous prenez comme mascotte une personne qui a mangé, qui a détruit la CRTV avec son père, qui était son amant et son copain. C'est elle qui vient aujourd'hui parler en votre nom. Vous partez remplir ses murs. Elle, vous commentez. Elle parle bien du professeur Maurice Kamto. Et vous acceptez ça. Non, vous devez l'interdire parce qu'elle salit ce parti. Elle ne mérite pas. Laissez une autre personne parler du MRC, mais pas Malène Mvuto. Ça veut dire que vous n'êtes pas cohérent. Tout ce que vous réclamez, cette femme est à 95% la cause de ce que vous vous plaignez. C'est-à-dire le vol. C'est-à-dire ceux qui méprisent l'Ouest. C'est-à-dire ceux qui ne... Qui méprisent les êtres humains, les femmes, comme les hommes. Une femme qui se lève et qui gifle une autorité et qui dit qu'elle est très forte. Une femme qui dit qu'elle a agressé une autre femme devant les autorités et elle vous dit qu'elle est forte. C'est elle que vous adulez aujourd'hui, mais vous êtes bipolaire et vous voulez que quel Camerounais vous suive pour le vote. Vous pensez que quel Camerounais peut vous suivre pour le vote. Et mon Dieu, aïe, Paola, Natacha, elle faisait tout ça, mais elle a changé. Donc, vous prenez le changement comme ça. Mouguanti. Elle faisait tout ça, elle a changé. Mais tous les Camerounais sont changés. Tout ce que vous reprochez aussi, ils ont changé. Entendez, écoute la réponse. On dit que quand la bêtise insiste, je tiens à préciser devant tous les Camerounais, parce qu'il faut qu'on soit clair dans ce qu'on fait. Et je vous ai demandé d'être logique et loyal. Ne cherchez pas une recrue à être aveugle pour ce qui se passe. La présidente invite qui elle veut lors des réceptions et des manifestations. Je pense qu'il y avait 1000 personnes là-bas, les femmes, des bureaux, les maîtresses, les maîtres, le CERAC. On prend toute la société et on invite ces femmes. Une femme camerounaise. Je n'ai pas dit deux femmes. Une femme camerounaise. Décide de qui on doit inviter à la présidence ou pas. Elle n'était jamais sortie avant parler. Parce que je crois qu'il y a des influenceuses que vous avez vues et des personnages publics invités. Elle n'était jamais sortie parler. Au début, quand je suis sortie parler à Malène Mvuto, elle ne s'est pas plainte qu'on m'a invitée à la présidence. Quand je lui ai dit une vérité qui fait très mal, parce que c'est pénible de dire qu'une femme couche avec son père, qu'une femme, ce n'était pas de l'inceste. Non, ce n'était pas un viol. C'était consentant.
Ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux fois, ce n'était pas trois fois. C'était constant avec son père. L'homme de sa maman, elle couche avec. C'est très dur de faire cette révélation devant le monde entier. Mais je crois que sur 1000 Camerounais, 200 le savaient. Ce que je viens de dire n'est pas... Sur 1000 Camerounais, 200 le savaient. Que Malène Mvuto couche avec son père. Non, tu es du RDP, du MS, vous ne l'avez jamais envoyé. Non, vous l'avez recruté. Puisque vous êtes versé là-bas quand elle parle. C'est vous qui l'encouragez. Vous deviez lui dire que non. Non, 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 non. Vous ne devez même pas passer là-bas. En passant dans ses affaires, c'est de le poids. La preuve. Il y a quatre directs malins et vous te parlez mal du professeur. Maurice Kamto. Il y a quatre directs. Elle disait non, il n'a pas la carrue. Ne pensez pas que j'avais le MRC. Il y a quatre directs, elle le disait. Aujourd'hui, elle est sortie donner l'éloge au professeur Maurice Kamto. Parce que vous êtes dans ses directs, vous commentez, vous l'adulez. Elle parle trop bien. Elle parle bien plus que quelle Camerounaise. Elle parle bien plus que qui. Même les Bayam Salam sont plus intelligents qu'elle parce qu'elle a le doctorat du dimanche. Elles ont l'intelligence de la semaine. Malène Mvuto, tu as le doctorat du dimanche. Moi, j'ai l'intelligence de la semaine. Je sais que j'ai appuyé où ça fait mal. Je comprends tes pleurs. Je comprends tes pleurs, Malène Mvuto. Je comprends tes pleurs. Parce que c'est une humiliation. Tu as dit devant le monde entier que tu fais 2 ans sans parler avec ta mère, 4 ans sans parler avec ta mère, elle ne passe pas chez toi pour venir. C'est normal. Tous ces gars, tu récupères. Elle savait que tu couchais avec son gars qui était ton père. Que ce soit ton père biologique ou pas, c'était le gars de ta mère que tu as pris. Tu penses que ta mère n'a pas ton macabo? Elle a ton macabo. Ouais. Ce n'était pas qu'on dit qu'il t'a violé. C'était constant, puisque tu l'as dit en direct, Malène Mvuto. Tu as dit en direct devant les Camerounais que tu étais sa maîtresse préférée. Au point où ton fils porte complètement son nom parce qu'il t'aimait plus que tous les autres. Tu l'as dit de ta propre bouche. Je veux que toi et moi on s'insulte. Qu'on règle nos problèmes. Tu es tellement faible que tu penses que mépriser la première dame, insulter les autorités, te donne le pouvoir et tu te dis que Malène Mvuto, toi et moi, on va s'expatrier, toi et moi. Toi et moi en France, même au Cameroun Mvuto, on va rester dehors à deux. Tu dis que la première dame nous envoie te clasher devant les Camerounais. Merde, cette femme est une manipulatrice. Aïe. J'espère que beaucoup de Camerounais observent ce qui se passe et voient ce qui se passe avec Malène Mvuto. Malène Mvuto, tu es sortie devant les Camerounais. Quand tu as commencé à clasher, tu savais que tu devais avoir la réponse. Tu savais que tu devais avoir du répondant. Et que les personnages publics influencés devaient sortir te répondre. Et Mvuto, tu le savais. Tu es venu après 3 clashs, dit que... Ah oui, on m'a donné les nouvelles. On m'a déjà informé. On a envoyé 30 000 euros à l'ambassade. Je t'ai dit devant les Camerounais. Tu as dit que tu as le numéro du service secret, du FBI, du caisse d'Orsay. Tu vas mettre la carte sur ton mur. Tu n'as jamais mis. Je t'ai dit, nous sommes en Europe. Il y a ceux qui sont au Cameroun. Que comme tu dis que tu parles beaucoup, les autorités du Cameroun sont au Cameroun, l'ambassade du Cameroun en France. Mets-toi devant les Camerounais. Tu appelles celui que tu dis qu'on t'a dit qu'il a eu les 30 millions. Mais je demande, hein, tu penses que tout le monde est idiot ou tout le monde a eu son doctorat ou tout le monde est allé à l'école le samedi et dimanche? Je suis bête. Je suis laide. Je suis moche. Mais l'homme que tu pensais que tu étais sa meilleure maîtresse parmi tout le monde,
m'a donné 30 millions et m'a duelé. Et vous, tu sais ce que veut dire quand un homme est puissant? Parce que ces hommes sont puissants, que ce soit mystiquement. Il était puissant mystiquement et financièrement. Viens voir une femme. Il s'accroche sur elle. Quand il est à côté d'elle, il met ses pieds sur ses cuisses. Il dort pendant 4 heures, si bien qu'il ronfle. C'est parce qu'il se sent en sécurité. Tu dis que tu as approché les grandes personnalités. Non, tu n'as approché personne. Quand un homme qui a un certain charisme est à côté d'une femme qui n'a pas un aura ou une valeur ou quelque chose, parce que nous tous nous avons quelque chose en nous, il ne peut pas se reposer sur elle. Il est méfiant. Le mari de ta mère qui était ton gars, qui était ton copain avec qui tu couchais pendant que ta mère était à la maison, elle pensait qu'elle avait son homme. Tu montais sur lui. Je vais te dire ta sortie d'aujourd'hui, pourquoi elle était comme elle était. Malène Mvoutou, j'ai parlé fort devant tout le monde entier. Et c'est la vérité qui blesse. Tu as reconnu le peigne avec les pellicules qu'on peigne. Tu as reconnu la couleur de la peau que j'ai dit. Et tu as reconnu la dimension du sexe. Tu as compris que je dis la vérité. C'est pour ça que tu es sorti comme ça. Au début, tu parlais du Quai d'Orsay, du FBI, des services sociaux. Tu me parlais de la gendarmerie. Est-ce que vous voyez-moi? Mvoutou, voyez-moi? Mvoutou, tu me connais. Donc, tu es parti du Quai d'Orsay. Loin là-bas, le sommet. Tu es tombé à la gendarmerie, au commissariat. Je suis parti déjà faire le signalement. J'ai déjà averti. J'ai dit, Mvoutou, bombo, yangema, mazou. Prends ça, va leur donner. Tu dis que quand tu vas au tribunal, tu n'as pas besoin d'un avocat parce que tu connais comment te défendre, même quand tu as tort. Hanti, tout ça, c'est dans ces pages. Tu te mets devant les Camerounais, tu dis que ton blanc, que la femme d'un blanc, vous pensez que vous pouvez toucher la femme d'un blanc. Hanti, amour, un durungeme. Le dernier des blancs des femmes camerounaises, les Camerounaises qui ont les blancs, ton gars est fait partie des derniers. Je ne sais pas qui t'a menti, Mvoutou. Je ne sais pas qui t'a dit que tu étais important. Qui t'a dit que ce que tu as là, le mongol, le gogol que tu as contre toi là, est important en France. Tu dis que je ne parle pas dans les milieux des Africains. Des Africains. Tu es quoi, des nègres? Tu es quoi, Mvoutou? Tu es le dernier des blancs en Beng. Mvoutou, tu vois ce que tu as à côté là? Tu es le dernier des Wat en Beng. Malène Mvoutou. Tu vois, joli, quoi que tu appelles là tous les jours là. C'est le dernier des blancs que les Africaines, les Camerounaises ont en Beng. C'est ce que tu as à côté de toi là. Tu t'es marié, tu portes une robe de tati. Tout Africain transite ici. Antiana Amoukou. L'enfant de Tui Joufflu, avec les petits Jouanja, était derrière comme ça. J'imagine ce que le type là peut vivre à côté de toi. Quel traumatisme. Il doit être traumatisé. Hein? Je ne sais pas comment il fait. Tu sais pourquoi tu ne te mets pas en direct, Malène Mvoutou? Je vais te faire les révélations comme la première que je t'ai fait qui t'a rendu folle. Parce que tu es en transe. Tu vois ton gars devant toi tous les jours. Tu ne peux pas encore te mettre en direct. Mettre ton visage. Parce que tu es en transe en ce moment. Tu vois ton gars. Puisque tu l'as encore déterré, tu l'as remis sur la surface. Tout ce qui se passe là, c'est ta faute. Donc tu es en transe. Tu ne peux pas te présenter devant une caméra comme ça. Tu es en transe, Mvoutou. Et je comprends ta souffrance et ton mal-être. Mais je vais te dire que tu as fait ça avec beaucoup de personnes. Tu es parti insulter, tu es parti faire les trucs, tu fais tes petites menaces, tes petits trucs que tu fais là, tes petites manières là. Avec moi, ça ne prend pas et je vais te le prouver. Tu as dit que tous tes enfants sont français, aucun n'est né en France. Les papas de tes enfants sont français. Tu les as fait reconnaître, non? Mes enfants sont nés en France, nés en France. Tu dis que tu attends ton récépissé, que tu n'as pas encore ton récépissé. Tu attends ton récépissé, non, Mvoutou? Tu n'as pas encore ton récépissé.
Tu dis que tu attends ton récépissé. Tu n'as pas encore ton récépissé, non, une photo. Ça, c'est ma cara. Tu connais. C'est la nouvelle, la dernière. On va jouer ça ici, toi et moi, les quatre vérités. Un couteau. Tu dis que si je sonne, tu vas prendre le couteau. Tu sors avec ton couteau, je te tape avec ton couteau. La main que tu as soulevée sur un homme, là, c'est parce que c'est un homme. Il a été galant. Malin. Va demander à l'INGS, à Yaoundé. Ils vont te dire que j'ai fait les armations. Appelle les jumeaux de Ngoïkele. Ils vont te dire que j'ai fait les armations. Appelle Dimi Pia, qui était champion du Cameroun. Il va te dire que j'ai fait les armations, Mvuto. Tu vas me voir devant toi. Et je ne vais pas te prendre par lâcheté. Il faut que tu marches avec ton couteau. Tu pleures tôt comme ça? Non. Comment? Je t'avais dit que j'aime quand mes problèmes sont durs, quand ça arrive à un degré. Et moi, quand je signe quelque part, je m'assois, je ne bouge pas. Ouais. Tu vas bien remarquer que les petits adeptes là, qui n'ont rien dans leur cerveau, les filles qui mangent les pommes qui ont fait 6 mois dans les marmites là, mes porteuses de sacs, mes esclaves qui parlent de moi dehors là, tu as remarqué que je ne les calcule pas. Moi, je ne calcule pas. Je ne parle pas avec n'importe quelle femme en photo. C'est ça qui fait ma force en Europe, même en Afrique. Tu sais, mon charisme ne me permet pas de parler avec n'importe quel asticot. Non. Tu vois toutes les petites pisseuses là, les asticots qui crient mon nom dehors là, celles qui m'appellent tout le temps là, les femmes là. Je ne suis pas de leur acabit, Mvoutou. Ce n'est pas mes camarades. Moi, je ne leur réponds pas. Toi, je te réponds quand même. Parce que le doctorat que tu as le dimanche en écartant tes pieds, tu lis beaucoup, tu fais les recherches pour prouver que tu es la plus instruite de la terre. Je vais te répondre, je te réponds à toi. Tu as pris ma mère, tu me dis que tu es en carême. Mais même quand on est en carême, on ne fait pas les directs. Je t'avais dit que tu sors du couvent quand tu as fui au début. Quand tu effaces le direct. Le premier direct que tu m'as fait, tu l'as effacé. Tu as fui. Je t'ai demandé de sortir. Tu as dit que tu partais en carême. Je dis que non, il n'y a pas de carême. Tu sors et tu es sorti. Tu dis que tu n'insultes pas ma mère parce que tu es en carême, que tu vas finir le carême. Insulte ma mère, Malène Mvoutou. Je t'avais dit que tu ne l'appelles même plus. Tu l'as encore appelée. Et je vais te dire la vérité. Insulte ma mère maintenant. Tout ce que tu diras sur ma mère, c'est ta mère que tu es en train d'insulter. La pauvreté que tu parles de ma mère, elle est tellement fière qu'à son âge, elle ne court pas venir chercher un blanc en bain. Elle est assise chez elle. Si elle veut voyager, elle peut voyager. Elle mange bien, elle dort. Dans une grosse maison, seule, grosse comme ça. Ouais. Et elle est fière de sa pauvreté. Et elle est fière de son enfant parce que son enfant n'a pas couché avec son mari. Parce qu'elle a éduqué ses enfants avec la voix du Seigneur. Elle a montré à ses enfants les valeurs de la vie d'une femme, d'un être humain. Elle n'a jamais dormi en espérant que je vais taper l'épaule de son gars pour dire que Dieu n'a pas volé. Non. Ou que je vais peigner les cheveux de son gars si bien que les pellicules vont tomber en l'orgueil. Je n'ai non. Parce qu'elle connaît ce qu'elle a accouché comme enfant et quelle éducation elle leur a donné. Tu n'as aucune éducation de base, Mvoutou. Tu vois que même dans mes insultes, je ne suis pas extrême. Comme tu as pris Katino, comme tu parlais des mamans, comme tu insultais d'autres personnes. Je ne suis pas extrême parce que je ne connais pas, même si je veux. Je vais faire les insultes, hein, genre les pommes pilées avec le haricot, l'huile qui monte dans la tête. Je ne connais pas parce que je n'ai pas fait un tabac, Mvoutou. Parce que je suis un enfant qui a une éducation cadrée. Qu'on a appris ça et que ça c'est le bien et le mal. J'ai des valeurs. Toi avec ton doctorat, tu n'as aucune valeur, Malène Mvoutou. Tu vaux que dalle, zéro, une zezeminga.
Je vois que tu crois que en parlant de ma soeur tous les jours, ouais, ta soeur est venue demander 50 000, c'est l'humilier. Non, tu ne l'humilies pas. C'est ces Camerounais que tu dis que tu veux le changement. Tu es dans les. Tu dis que ta vie, c'est l'humiliation. Tu humilies les femmes. Tu t'es mis en direct, tu as dit que tu dépasses 15 millions de femmes camerounaises, que tu es plus que 15 millions de femmes camerounaises. Anti, c'est l'amour. Je suis devant les qui? C'est quoi ces réseaux sociaux-là? Vous voulez me dire que vous tous là, vous, personne n'ouvre les yeux pour comprendre? Tu publies les conversations WhatsApp de ma soeur. Regarde ta bassesse. Tu sais combien d'argent je donne aux Camerounais? Tu sais combien de femmes j'ai aidées? Tu sais ce que je fais pour mon pays? Tu penses que je peux venir en direct le dire? Tu penses. Aujourd'hui, quand tu as fait ton direct, tu as dit oui, l'argent qu'on avait donné à ma mère pour le truc là, tu ne dis plus que c'est le concours qu'on partait payer. Et c'était là, amour. Tu ne dis plus que on a donné l'argent pour payer le concours. Tu glisses comme le gombo. Tu n'as plus dit le mot concours aujourd'hui qu'on payait le concours. Que l'argent qu'on a donné pour un truc, si le truc n'a pas marché. Non, le concours de lyrique ou l'ESSEC que tu es parti donner pour payer un concours d'État. Alors que toi-même, tu as payé ton concours dans la même façon en écartant plus tes jambes. Comme ce que tu as, tu sais tout faire. Malène Nvuto. 50 000, c'est quoi? 50 000 francs, 50 000 francs, c'est quoi, c'est quoi? Ça ne me fait pas une cartouche de cigarette. Tu sais pourquoi ma soeur t'a demandé les 50 000 francs là? Tu dis qu'elle souffre. Ses enfants fréquentent toujours les mêmes écoles, ça n'a jamais changé. Hein? Je pense que sa fille est à la retraite et son fils à Jean Tabi. Tu connais combien ça coûte, non, Malène Nvuto? Tu étais au Cameroun avec ta nounou, avec les gens que tu es parti prendre au nord. Ceux-là, c'est les plus moins chers. Ça a dépassé de prendre une vraie fière. On t'a amené les gens du nord. Tu fais le direct dans la maison de quelqu'un. Tu dis que ma maison au Cameroun, moi, c'était ta maison. C'était pas ta maison, c'était la maison. Tu louais la maison. Tu mets les sales meubles, les sales chaises. Tu filmes tout, tu nous montres. J'ai décoré comme ça ici. Voilà mon sapin de Noël. La maison de quelqu'un, tu as aimé plus que pour toi. C'est pour ça qu'on t'a chassé un jour. Parce que tu es venu voir quelqu'un qui a conçu sa maison, puisque tu avais tellement l'argent. Mais tu n'as jamais conçu une belle maison comme ça au Cameroun. Tu vas louer la maison de quelqu'un que tu aimes tellement. Que tu aimes tellement. Si bien que tu nous montres comment tu décores. Quand on te met dehors, tu as tellement mal. L'expression que tu as au Cameroun, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Tu avais le macabre ici, puisqu'on t'a donné les 180 millions que tu as demandé. C'est les 180 millions de Camerounais que tu partais encore demander. Tu dis qu'on est jalouse parce que tu as ta mère que tu appelles, si c'est quoi, association ou quoi, 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 yen menye. Tu es parti demander l'argent pour ça, on t'a dit qu'on ne te donne pas, non? Tu attends le poisson qu'on ne te donne pas, non? Tu as m'approché le flambis, on t'a chassé, non? Tu as compris que tu n'es personne au Cameroun. Tu dis quoi? Malène Nvuto. Insulte toutes les femmes camerounaises à partir de demain. Ne laisse personne. Insulte-les. Si tu penses qu'en faisant ça, tu vas me faire le chantage à moi. Je dis qu'insulte qui tu veux tous les jours. Nvuto, je m'expatrie si tu veux avec toi. Je ne te laisse pas. Tu couchais avec le mari de ta mère, qui était ton père, et ce n'était pas un viol. Et tu as mal comme ça parce que je l'ai dit devant tout le monde entier. Et tu as reconnu ce que j'ai dit. Tu as reconnu son corps, comme j'ai expliqué. C'est pour ça que tu souffres profondément. Folie Diran, que tu appelles dans tous tes directs maintenant. Ouais, c'est la femme de Folie Diran. Elle souffre, ou son mari était malade. Pourquoi elle est malade? Pourquoi Folie Diran est malade, Malène Nvuto? Ton père l'avait donné rendez-vous à 3 h le matin, qui s'habille en noir, rouge, non? Tous les Camerounais savent ce que Folie Diran combattait, non? Oui ou non? Tous les Camerounais savent ce que Folie Diran combattait, oui ou non? Malène Nvuto, viens ici. Za. Za. Tu veux qu'on parle dans tous les sens? On va partir. Tous les Camerounais savent ce que Folie Diran combattait, oui ou non?
Malène Vutu, tu l'appelles dans tes directs, pourquoi tu appelles tout le monde? Tu crois que tu es tout permis? Ton père l'avait donné rendez-vous à 3h le matin à la CIA TV, pourquoi? Il devait s'habiller en noir blanc, en noir rouge, c'était pourquoi? Viens m'expliquer ta cousine, la cousine du professeur avec qui tu avais bagarré à la CIA TV. C'était pourquoi, Malène Vutu? Je vais te montrer que j'entre dans ta maison. J'entre partout où tu passais. Tu n'as pas appelé la secrétaire du professeur pour venir témoigner? Qu'il y a une fille sur Facebook qui dit que le professeur l'avait reçue. Est-ce que tu peux venir témoigner? Tu ne l'appelles pas qu'elle vienne témoigner en direct. Hein, Malène Vutu? Tu n'appelles pas la secrétaire du professeur que quand je suis venue, la salle d'attente était pleine, elle m'a fait entrer que hum. Tu ne l'appelles pas pour demander qu'elle vienne démentir en direct. Tu n'as pas appelé le méridien pour demander au directeur de la salle si le professeur vraiment. Si vraiment. Oui, oui, c'est le professeur qui a voulu. Je vais lui dire, elle est pressée. Elle m'amène dans un territoire. Quand elle appelle quelqu'un, je m'assois sur elle, je lui dis, je l'explique l'histoire. Tu n'as pas appelé le directeur du méridien cette année-là, comme tu es la présidente du Cameroun. C'est toi qu'on devait épouser. Tu es tellement intellectuel qu'on devait t'amener pour que tu parles devant les gens. Que vraiment, quand le pater sort, il t'amène, tu peux t'exprimer, tu as la posture, tu parles bien. Tu voulais partir tacler tous les présidents d'Afrique. On devait te trouver dans les toilettes, dans les couloirs, en train de courir, que tu es en train de déborder. Comme quand tu marchais avec ton copain, ton gars. Ton bon gars, le professeur Gédé Mendoza, que tu montais sur lui. Partout où il t'amenait signer les conventions, tu écartais tes jambes là-bas comme ça. C'est comme ça que tu as rencontré Théodore. Tu dis que tu as tes gars au Cameroun, que mes bons gars du Cameroun. Est-ce qu'on discutait avec toi? Tu as quel gars au Cameroun, Mvoutou? Quel gars? Si l'international Carlos Kamini n'était pas touché à l'époque, où tu ressembles en quelque chose. La photo qui est sur mon mur là, c'est toi il y a 3 jours. Quand tu étais en direct, tu as fait une mauvaise manipulation. Le FBI de Facebook a fait que tchoup. C'est ça qui est sur mon mur, Mvoutou. Regarde ton expression. Tu es envoûté. Ça veut dire que tu vois. Tu le vois maintenant, ton bon gars, il est revenu pour toi parce qu'il en a marre de toi. Comme tous ses enfants, ta famille, sa famille, même sa femme que tu appelles sur les réseaux là, ils te vomissent. Ta propre maman a marre de toi, Malène Mvoutou. Pourquoi? C'est son gars que tu montais sur lui. Un enfant qui couche avec le mari de sa mère. On t'a maudit, on t'a... Voilà, attends, il y a une fille là qui dit qu'elle a vécu là-bas, prends-moi. Je ne sais pas comment on fait pour prendre. Demande l'invitation et te prends. Il y a quelqu'un là qui dit qu'elle a vécu chez vous. Ou tu dis que tu habitais avec lui. Les femmes sont venues me dire que Porsche Cayenne, tu n'as rien menti. Le distributeur automatique, c'était ton père. Tu te mets devant les Camerounais. Vous avez mangé tout l'argent de la CIA TV. Vous avez mis notre CIA TV à zéro. La CIA TV est comme ça parce que c'est vous qui avez détruit cette maison. Vous avez tellement volé. Tu voulais jouer l'endomène. Parce que les petites courtes femmes, quand elles passent, on ne les voit pas. Il faut qu'elles se font voir par d'autres choses. Tu voulais montrer que tu es femme. Tu puisais dans les caisses. Que c'est moi qui avais les signatures de 2 milliards. Je pouvais signer comme je voulais. Tu es qui? Tu fais peur à qui? Tu m'as dit quoi qu'on n'a pas encore entendu? Go bordel, tu es la plus grande bordée. Tu es la plus grande salope, tu vois. De toutes les femmes camerounaises. Ton écartement, ta souffrance, c'est que ça ne t'a rien apporté. Tu as vu une riche dire qu'elle est riche. Tu as vu quelqu'un qui a l'argent venir dire en public qu'elle a l'argent. Tout Facebook connaît mon slogan, je suis la plus pauvre de Facebook. Tu dis que tu ne peux pas travailler parce que c'est pas parce que tu peux pas payer la nounou d'un million. Moi, je ne travaille pas parce que voilà, c'est pas que l'argent me manque. Ma carte n'est pas renouvelée. Donc, tu n'as pas de carte de séjour. C'est pas encore renouvelé. Tu es arrivé en France quand, depuis que tu es sorti au Cameroun, avant d'ouvrir ton soin, ton museau. Ouais, bien calé, ouais. Ton museau, avant d'ouvrir ton museau pour venir parler. Tu es là depuis combien de temps? Pourquoi on n'a pas encore renouvelé? On m'a envoyé la lettre. N'oublie pas de nous montrer ça quand tu vas voir. Tu ne m'as pas mis ton adresse, pourquoi?
Malène Mvoutou, dans ton direct, tu as dit que tu allais me mettre ton adresse, non? Que dès que je finis, je mets l'adresse. Mets l'adresse! Ou va dans mon inbox, envoie-moi ça. Et je connais déjà où tu dors, Malène Mvoutou. Je connais où tu dors. Maïe me fait wabombo, je connais. J'ai ton adresse où tu dors. Pas les magasins de magasins. Regardez-moi une femme qui dit qu'elle a l'argent. Même les appartements que ton père avait payé, que ton show, ton bindaya avait payé, là, la défense partout, en plein Paris. Les vrais enfants sont assis là-bas. Enfants refoulés, nga. Il t'a laissé quoi en partant? Tu penses que tu peux manipuler les Camerounais? Maintenant, c'est qu'un gars, on l'a assassiné. Si on l'a assassiné, ça fait quoi? Il n'était pas. On l'a seulement tué. On l'avait assassiné. Tu amènes qui dans le sentiment? Tu penses que tous les Camerounais sont idiots? On a nos problèmes. Oui, on sait. Laisse-nous gérer nos problèmes. Pas toi, tu peux venir parler. Tu n'es bon en rien. Ceux qui te suivent là, ce sont des esservelés. S'ils avaient un cerveau, ils devaient comprendre que tu es une manipulatrice, que tu règles tes comptes. Ils devaient comprendre que tu es venu régler tes comptes. Que quand tu arrives au Cameroun, tu te montrais la plus grande. J'ai pris. Mais je demande à Mvoutou. Tu cries tous les jours sur Facebook que tu as les bureaux au Cameroun. Tu payes tes bureaux à combien? Tu payes tes bureaux à combien par mois? 50 000, 30 000, 15 000, 100 000, 150 euros. Il y a les bureaux au Cameroun. Elle est sur un plateau. Elle manque de respect à tout le monde. Elle méprise tous les gens. Elle méprise Nathalie quoi? Elle dit, ouais, j'ai des bureaux, j'ai une association. On crée les bureaux à la maison couchée à 1 euro, Malène Mvoutou. Ouais, c'était là, Mougou. Et les gars qui sont au Cameroun, là, qui vendent le Pomanvombi. Celles qui vendent les, comment on appelle, le fosse. Elles partent creuser le manioc au champ. Elles sont versées sur sa page. Oui, on te supporte. Oui, et les pireuses de tarot, là. Oui, on te supporte. On est avec toi. Mais Malène Mvoutou, on ouvre une société couchée sur le lit à 1 euro. Franc symbolique. Malène Mvoutou, on prend un appartement en France, même avec zéro apport, tu prends un appartement, tu payes tous les mois. Écoute-moi, je vais te dire là devant les Camerounais, si tu penses que tu vas venir dire en direct que tu insultes quelqu'un, moi, je ne parle avec personne du gouvernement. Mvoutou, je n'ai jamais parlé avec la première dame. Madame Moundi qui m'a reçue parce que comme elle reçoit toutes les femmes camerounaises, les Bayam Salam, les directrices, les maîtresses, tout ça. Donc, ne les insulte pas à mon nom. Je suis devant les Camerounais. Personne ne peut m'envoyer. Moi et toi. Ne cherche pas des échappatoires, Mvoutou. Toi et moi. Tu as dit que tu es une kanga. Tu pleures derrière que tu prends le couteau. Tu dis que tu étais à la gendarmerie, faire main courante. Donner le signalement. Tu signales quoi? Je ne suis pas encore arrivé. Wabisi, Wambara. Wambara dit. Machononga Kadna, Ubalangul. Tu as dit que tu es forte. Tu as vu comment je suis formée debout. Maman, tu vois que tu sens que c'est une sportive, non? Mvoutou, tu vois. Comme tu as 1m52, les petits doigts comme Kita, les pieds là-bas à terre comme ça, comme écartés, comme si. Tu vois quand tu partais creuser le rat, là-bas, et Bolo va dans votre champ là. Tes pieds sont écartés comme... Mais, elle se met en direct pour son moral. Tu es trop laide. Tu vas capturer dans le noir. Et elle me nie. Les Camerounais me voient dans la route. Qui te voit où tu habites au fan, dans le champ où tu habites là-bas? Quel Camerounais te voit? Le jour qu'ils vont te voir, montre la Camerounaise qui va te voir. Le jour qu'ils vont te voir, montre la Camerounaise que voici les Africains qui m'ont vu. Qui te voit, Mvoutou? Personne ne te voit. Tu vis dans un trouara. Tu vis dans le trouara. Tu vas en brousse, tu payes les maisons délabrées. Les maisons en Jacques, quand ça fait. Qui paye les maisons dans les brousses comme ça, mon frère? On te dit que Mazou, je quitte du Dza pour venir en Beng. Aller habiter en campagne ou pour que tu vois quelqu'un, tu marches 30 minutes. Tous les jours, dans Facebook, je suis riche. Je dis que ton gars. Il ne t'a rien donné. Tu souffres parce que les 30 millions que tu as entendus là, non. Ça te fait mal au cœur que comment le gars était mauvais comme ça. C'est moi qui étais là. Ma mère m'a régné parce que je suis monté sur son gars. Tout le monde voulait ma peau. Il n'a pas donné 30 millions à un gars comme ça. Casse-tête, vite fait, bien fait. C'est pour ça que tu pleures. Ouais, il m'a donné 30 millions. Tu pleures parce que je donne les éléments clés. J'ai appelé les noms.
J'ai dit quand ça s'est passé. J'ai expliqué. Et tu sais que c'est vrai. C'est ça qui te rend folle comme ça, un vautour. Ma sortie t'a tchakalisé la tête. Parce que j'étais brutale, je reconnais. Ouais, je vais te servir ça. Je n'ai pas fini avec toi. Est-ce que j'ai raconté les autres parties? Ce n'est pas encore fini, un vautour. C'était le premier jour. Il y a encore 3 jours, Malène, un vautour. J'ai compris que tu n'es qu'une petite arriviste, une parvenue, une forceuse. Tu t'es fait des films dans ta tête depuis jeune. Oh, je suis très intelligente, je parle très bien, j'ai le doctorat, je suis belle, je suis l'étoile de Nundi, je suis la plus belle femme camerounaise, la plus instruite. Tu t'es fait un film dans ton cerveau d'oiseau depuis longtemps. Et tu n'as pas compris que je pouvais t'enlever ce film en photo. Parce que quand je viens te sortir le bim en public, que le professeur m'a dit qu'il couchait, il m'avait dit, pourquoi tu as bagarré avec une petite claire à la CIA TV? Explique-moi ça. Tu n'as jamais expliqué ta bagarre à la CIA TV. Il m'a dit, à mon nom, t'as bon Dieu, yon wa l'otoyenne malène, l'otali. Ouais. Tu pensais que c'était mon frère, distributeur automatique? Distributeur automatique. L'inceste, c'était ton père. Oui, il couchait avec les enfants des gens. C'est pour ça qu'il avait le nom du serpentologue. C'est pas moi qui lui a donné ça. Ce n'est pas moi. C'était Petito. On disait dans tout le Cameroun que le serpentologue va t'avaler. Le serpentologue, c'était ici. Tu passes là-bas, serpentologue. Même Folie Diane que tu appelles là, c'est lui qui l'a rendu comme ça. Il t'a donné. Tu vois pas que tu vas dans tous les sens? Tu appelles tout le monde. Tu prends ici. Tu es King Kong. Tu es trop fort. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je dis que la petite, je ne vais pas te faire. Je n'alerte pas te concernant. Je dis que je te faisais une petite main coup, une petite plainte comme ça, vite fait, pour le fun, pour que je te suis avec Soko. Parce que l'angala de 25 mois t'a loupé. Je ne te loupe pas au co. Même après ce régime malin, Mvoutou, je ne te loupe pas au Cameroun. Je dis, tu vois le régime, c'est que tu dis qu'ils vont partir en janvier là. Si le régime s'y part, moi, Amougou, je ne te loupe pas au Dza. Tu es interdit à Sanmélima. Parce que ce que tu fais au professeur, c'est toi. Tchafak Leclerc, j'espère que tu as ta carte électorale pour voter pour le MRC. J'espère que tu as ta carte pour voter pour le MRC. Tchafak Leclerc, Tchafak, j'espère que tu as ta carte. Parce que bientôt, vous allez venir pleurer les pleurs du Mbolé ici dans les réseaux. On vous attend, comme le dernier tour. La famille, ne m'énervez pas, je ne joue pas avec vous. Pour toucher mon direct, je passe à la vitesse supérieure. Un vautour, à sorte que tu prends ton tabouret. Tu dis que tu es parti à la gendarmerie, faire le signalement, averti. Non, tu n'es plus au Quai d'Orsay. Tu n'es plus avec le FBI. Tu n'es plus avec les plus grands enseignements de la France. Tu es parti à la gendarmerie au commissariat averti. Tu ne me connais pas bien. Ne les avertis pas seulement. Je te dis, tu me demandes la date de tous nos rendez-vous. Je ne veux pas qu'il y ait l'affluence là-bas. Un vautour. Tu vas sortir avec ton couteau. Je vais te battre avec ton couteau. Tu vas venir avec ton couteau. Je vais te battre avec ton couteau. Et je ne tiens pas comme les Ngamalène. Je suis une gars qui fait le sport, natation, le feu, et j'ai fait les arts martiaux. Va demander qui était Tazo, on était à l'INGES ensemble. Demande à Billy comment nous on prenait Yaoundé en otage. Elle campait le compte, disait que on fait. Va demander aux jumeaux de Mouekele. Tu vas prendre ton couteau. Je vais te battre avec ton couteau dans ton secteur, chez toi, un vautour. Quand tu vois une femme debout, tu es là-bas comme ça, on en allait. Comme on est tourné, tu es là-bas courte. Tu es un genre bizarre. Un vautour. Quand tu vois une femme ici est carrée comme ça, tu vois comment. Tu comprends qu'il y a le physique. Je vais te battre avec ton couteau. Je t'ai dit. Tu vas me porter plainte en France. Tu as dit que tu ne portes pas plainte. Tu vas me porter. Tu as fait la stimulation. Quand je vais kem chez toi, je vais sonner avec tes questions, la descente. Tu vas coller les miens. Parce que tu es une tapette.
Les nièvres vont qu'aime. Je vais te dire ton nièquin. Tu espères ma mère, elle ne peut pas te laisser. Ils vont commencer à me dire que non, vous savez que oui, elle est chez elle, il faut l'attendre, vous ne pouvez pas faire ça. C'est bien ça, je sais que j'ai compris. Laissez-moi tranquille. Et vous, tout le monde écoute. Mes enfants sont des Français. Les tiens, tu les as reconnus. Parce qu'aucun de leurs pères n'était français. Tu les as reconnus. Je vais te montrer comment ça se passe. Ils sont nés en France. Ils ne sont pas venus du coup, on les a reconnus. Je dis que tu vas prendre ton couteau. Je vais te battre avec les mains. Tu sais comment je me suis appelée dans les réseaux sociaux? Cookie Lion, Olivia Pop. Je vais te montrer que je suis ça. Que je ne peux pas te dire toi en direct. Il y a certaines personnes, quand ils sont réfléchis, ils vont dire que oui, Langasi, on connaît ce qu'elle dit. Demande à ceux que nous avons bloqué le Kachos, la Sansa, le Kilimanjaro. Je ne te connaissais même pas. Comment tu as fait la vie? Tu étais seulement en train de creuser, de manger le fosse, de creuser les rats. Et de suivre le professeur partout pour voir s'il donne l'argent aux filles. Distributeur automatique, professeur Joseph Mondose. Il a partagé comme l'eau. Tout le monde passait. Tout le monde passait. Il donnait l'argent du contribuable. L'argent du contribuable. L'argent de la CIA TV. La CIA TV, ça fait partie des plus sales maisons de télévision des pays africains. Parce que ton père a volé l'argent. Quand il y avait l'argent que le pays ne souffrait pas comme maintenant, il y avait les fonds énormes. Maman, il s'asseyait à l'église comme ça. Bonjour mon père. Bonjour mon père. Akiba. Bonne journée. Distributeur, l'argent du Cameroun distribuait comme ça. Comme ça. C'était un vrai voleur. C'était pas les petits volets là. Un vrai, vrai volet. C'est comme ça que sa fille a volé. Parce que le père l'avait mis ça. Il avait appris comment il fonctionnait à deux. Il finit en condamné. Tu pleures les pleurs d'une boule. On l'a mis en condamné. Tu voulais qu'on le mette où? Et tout dit. Il est pas là en condamné. Toi-même, tu voulais qu'on te mette où? On t'a mis en condamné. J'ai fait la prison avec toi en France. Tu m'as déjà vu en prison un jour. Ce qu'ils racontent dehors, là, c'est pour eux. J'étais vu en prison au Cameroun. J'étais vu en prison au Cameroun. Tu dis que tu as donné 50 000 à ta mère. Appelle le registre de la prison d'un Konengi. J'ai donné à ton père 300 000. À ton niqueur, 300 000. Je suis parti en prison voir le professeur. Je lui ai donné 300 000. Appelle le registre de Konengi, non? Mais je demande, vous pensez qu'on se met en direct comme ça, on appelle les autorités comme ça? Non, je vous pose la question. On peut se mettre en direct comme ça. On ment, on appelle les autorités comme ça. Franchement, dites-moi. Non, parfois quand on parle, hein, vous venez écrire que ouais, une mytho patentée, un n'importe quoi, bande de saleté de filles. Amogou, on t'avait seulement gâté, maman. Donc, on peut mentir comme ça, j'appelle. Je dis que appelle le registre donc on est que tu demandes mon nom. Si je suis venu en prison. Je vais donner 300 000. Oui. Bonjour, mon enfant. J'ai dit que le professeur Massouga. Maintenant, je suis là. Je suis là, ma fille. J'ai dit, professeur, soyez fort. Merci, mon enfant. J'ai dit, bon, je vais partir. Je venais, je te fais un petit coucou. Merci, c'est gentil, ma fille. Menga, nous avons 300 000. 100, 200, 300, menga, et nous. T'as bon, mon enfant. Ma soeur t'a demandé 50 000, tu n'as pas pu donner à ma soeur, tu n'avais pas 50 000. Moi, je donnais 300 000 aux amants en prison avant qu'il n'ait pas de cash au Cameroun. Tu lui donnais 300 000. Donc, si tu as donné 50 000 à ma soeur, tu me dois encore 250 000. Yen Menye, Kabat, Ndurungeme. En ce moment, où tu es comme un Ndurungeme. C'est le cadavre qui a fait 6 mois à la mort parce que le cadavre frais. N'est pas comme tu es là. Et tu ne te mets pas en direct pourquoi Malène Mvoutou. Vous savez que c'est moi qui viens toujours demander, vous expliquer le problème de Malène Mvoutou. Malène Mvoutou, explique au Camerounais pourquoi tu ne montres pas ton visage quand tu te mets en direct. Mvoutou, bordé, bordé. Explique la fille qui niaise avec son père. Pas de vieux. Constamment, 3 fois, 4 fois par jour. On prend au bureau, on tape au mur. On prend au couloir, on frappe là-bas.
qui bagarre à la CIA TV avec les gens. Explique aux Camerounais pourquoi tu ne te mets pas en direct. Pourquoi tu ne montres pas ton visage en photo. Mimi, pardon, je vais parler. Elle est ça à ma coucou. Malène Mvoutou, explique aux Camerounais pourquoi tu ne montres pas ton visage. Oui, oui, je ne manque pas. Hey, Malgoza, quoi, si c'est Magoya. Excuse-moi, moi, je ne suis pas là. S'il te plaît, on ne se met pas en direct. On appelle. Attends, le procès, mais nous a écrit l'histoire quand même. Il est dans l'histoire, dans nos archives. Hein. D'accord? Il avait quand même la plus belle chorale, puisque c'est lui qui avait tout l'argent du Cameroun. Sa fille vous a dit qu'elle signait, celle qui signait les milliards, elle sortait comme elle voulait. Mais tu penses qu'on peut venir en direct comme ça mentir? Non, moi je ne clash pas. Ma chérie, je ne clash pas. Malène couchait avec son père. Sa mère, elle ne s'entendait pas pour ça. C'est parce que les enfants du professeur sont très nobles et soft. Ils ne peuvent pas venir parler. Même l'engagement du professeur est vivante. Malène couchait avec le professeur. Mais vous n'avez pas vu comment mon direct est sorti, expliquait bien. Elle est sortie comme une folle. Elle couchait avec le professeur, qui était le gars de sa mère, ou son père. Et ce n'était pas le viol. C'était bon à elle jusqu'à. Et elle pensait qu'elle le maîtrisait avec ça. Puisque une fille vient vous dire en direct qu'elle était la meilleure maîtresse. Vous n'avez pas su dans le direct. Oui, Franck, j'ai les preuves, c'est lui qui m'a dit. Tu as les preuves. J'ai dit qu'il m'a dit que pardon, évite là. Yon wazoumou, voyez nien. Que le lit. Puisque les vous qu'ils avaient ça entre eux deux, c'est pour ça qu'elle ne peut pas se mettre en direct et vous montrer son visage maintenant. Elle est en transe, en mode. Elle est en transe de folie, un genre. Et elle le voit tous les jours, puisqu'elle ne fait que l'appeler. C'est elle qui fait qu'il ressort. Elle le voit comme ça. Ouais, elle le voit. Oui. Qui couchait avec elle? Patricia Lomo. Il m'avait dit que si tu passes même et que je suis là, elle est là. Continue d'abord comme si tu ne m'as pas vu. Je ne sais pas où ils sont partis mettre les mains, où elle avait un pouvoir sur lui, où elle le maîtrisait quelque part. Un moment même, c'est comme s'il était un peu un jet tremblé. Eh bien, vous avez dit en direct que c'était sa meilleure maîtresse, non? Est-ce qu'elle n'a pas dit en direct qu'elle était la meilleure, qu'elle même celle, la meilleure maîtresse, elle, celle qui a nommé son fils, il porte tout son nom. Qu'aucun de ses enfants ne porte tout son nom, mais son fils l'a nommé. À son fils là ressemble au professeur. Hein. Regardez bien maintenant, vous avez compris. C'est moi qui vous dis, ouais. Je vous promets que je ne suis pas dans le clash. Moi, je n'invente pas. J'ai dit où j'ai rencontré son père pour la première fois de ma vie. C'est au Méridien, pendant mon service. J'étais en. Vous savez comment nos services, non? Quand on s'est dans la salle, j'étais en noir blanc, chemise blanche, petite jupe noire qui m'arrive au genou, arqué comme ça. C'est là-bas que je rencontre le professeur Mendoza. C'est le directeur de la salle qui me dit qu'Amougou, il vient. Si tu es là, on va nous choco ce soir, le feu, le pourboire. C'est comme ça que je le vois la première fois de ma vie. J'étais parti à Dola pour maintenant. Il m'amène à Yaoundé de venir le rencontrer. Et c'est lui qui me dit que si je vois un jour, je passe pour une nien, que le lit. Je vais vous poser une question. Allons-y calmement. Dites-moi la vérité. Je vous ai demandé d'être logique. Vous avez vu sa sortie là, vous n'avez pas vu comment elle était. Vous avez vu qu'elle mourait dans la sortie, oui ou non? En 99, Nicole Toscani, Nico Toscani, en 99, au Méridien. Oui. Le barman avait dans les 60 ans. Il m'appelait sa fiancée. Le bar était en face du restaurant. Je ne sais pas si ça a changé, je ne suis plus jamais allé au Méridien. Et monsieur Joly est boulanger. Mon mari touche très bien. Ça nous permet de vivre ensemble. Je dis que le bar était en face de l'entrée du restaurant. Voici le restaurant. Quand tu sors, il y avait un couloir comme ça. Les chambres sortaient. C'est ça qui m'a dit qu'attends-moi devant la porte du restaurant. Quand tu me vois, tu viens vers moi. Tu viens, je te donne ton enveloppe. C'était pour qu'il m'invite à Yaoundé. Pour que je me déplace, il me donne l'argent de poche. Quand un homme invite une femme, il faut se préparer.
Non, pas 60. 99. 1999. Mate, Yonga, tu ne fais que dire vérité. Je comprends. On se comprend, toi et moi. On se comprend, toi et moi. Je vous promets sur ma fille. C'est mon seul enfant. Malène a dit en direct, non. Que si j'ai parlé de son père, j'ai menti. C'est l'OGL. J'ai elle. Sa sorcière me montre. Non! Vous savez pourquoi elle est sortie hier? Je vous pose la question. Vous avez vu sa sortie d'aujourd'hui? Elle était comment? Oui, la première dame est comme ça. Ouais, je parle de telle. Madame dit qu'elle est comme ça. Ils sont vieux. Même le vieux, tu n'as pas eu. Tu pleures comme ça parce que tu n'as pas le vieux que tu avais, que tu pouvais contrôler et partir. C'était ton père. Les gens partent chercher leur Joe. Tu prends seulement à la maison, tu mets dedans. Tu fais peur à qui? Je ne peux pas te laisser. Insulte qui tu veux au Cameroun. Tout le monde se jette par terre. Mes mounas sont ici, sont encore bénis. Je dois les élever. Moi, je suis à 100 pays, j'ai fait 80. Je peux continuer à faire ailleurs. Je dis que toi et moi, ne pense pas que quand tu vas venir faire le dire, tu vas dire que oui, je vais recommencer à insulter. Insulte! Kabagna me biche. Ndurungo et tous nos hommes, pygmées de Yoko, insulte bien qui tu veux. Je vais traiter ton fort comme toi et moi. Je ne te laisse pas. Tu fais le direct aujourd'hui, tu commences à changer de bouche. Tu dis, ouais, non, je ne t'avais pas insulté. C'est toi qui as d'abord été mon enfant. Yann Meunier, pleureuse. Pleureuse. J'aime quand c'est compliqué. J'aime quand c'est dur. Je n'ai rien eu facilement dans ma vie. C'est pour ça que ton père, quand il est venu m'approcher, ton père et ton copain en même temps. Quand il est venu m'approcher, j'étais jeune, j'avais peur. À l'époque, tout le Cameroun disait que c'était le serpentologue. Il couchait avec les mineurs, les enfants, les bébés. C'était l'histoire du Cameroun. Je n'invente pas. Vous, les Camerounais, ne m'énervez pas. Vous tous, vous connaissez la période du serpentologue. Oui ou non? Vous n'avez pas connu la période du serpentologue où tout le monde disait que le président était le serpentologue. Vous n'étiez pas là pour voir. Est-ce que vous n'avez pas connu cette période? J'ai menti. Et vous tous, oui. Tu voulais qu'elle laisse. On devait partager l'argent aux gens comme c'était l'eau. On ne m'a pas su ça, je laisse parce que c'est moi qui ai tué Jésus. Tu dis que dans la sorcellerie, tu ne m'as pas vu. Edith Blanche, Sink, j'espère que tu as ta carte du MRC. J'espère que tu as ta carte électorale pour le MRC, même quand vous n'allez pas voter. Ça va servir à rien. Sorcière, t'as. À boire la sauce jaune. Non, Patricia l'homme, je vous promets. Moi, j'ai appelé ma. Vous connaissez que j'ai deux garçons, une fille. Le père chéri, ma fille chérie, il entrait quand il voulait, comme il voulait. Le gars de ta mère, faible fille, c'est là-bas que tu vas t'asseoir. Tu le pleures comme ça partout. C'est moi qui avais appelé, qui avait parlé de l'affaire de serpentologue qui faisait tout le Cameroun. Serpentologue, on vous avale. Maman, je suis sauf que parti. Oui, parce qu'on avait faim. Pendant que vous étiez trop riche, tu décaissais les milliards. Tu avais les cahiers pour décaisser les milliards. C'est moi qui sortais les milliards. J'avais les signatures. C'est moi qui faisais. C'est moi qui faisais. C'est moi. Je suis belle, moi. Intelligente, moi. Je parle bien, moi. Elle est bête, elle n'était pas là à l'école. Ta sagesse t'a amené où? Pygmée de Yoko. A te taper la mère, le gars de ta mère. Tu es faible à ce point. Tu es faible à ce point. J'entendais mes parents parler de serpentologue. J'étais, oui, c'était le serpentologue. Le MRC, vous l'avez recruté. Vous avez fait quoi, comment? Ce n'est pas vous qui commentez là-bas. Ce n'est pas vous qui l'a poussé à parler, à manquer de respect à la première dame au président et à toutes les autorités comme elle fait. C'est vous. Et vous pensez que si vous gouvernez même dans 50 ans et qu'il y a une malaine, vous tout comme ça, elle va faire plus pire. Elle va vous. Une fille, qui vous, une femme qui venait vous dire que vous êtes de la merde, que votre tribu ne devait pas exister. Parce que c'est le gouvernement en place aujourd'hui. Vous sortez, vous l'adulez. Ça va vous faire quoi les points? Non. Vous n'êtes plus crédible. Parce que vous passez le temps à faire la récupération. Une vraie mytho sans pareil. Une fille qui ment. Elle se ment en public. Elle change de version tous les. Et elle est, comme elle est cohérente dans ses paroles, elle vous a dit en direct ici que c'est votre tribunal. Elle n'a pas besoin d'avocat.
Même si elle a tort, elle ramène ça à un sens. C'est comme le juge dit que yes, oh. Que yes, oh. Donc, moi où je suis là, Mvoutou, je venais te dire en direct que tu es tombé sur Minga. Parce que mon Kanga, Mvoutou, tu as femme devant toi. À 99%, c'est pour les qui, ma chérie? Quand tu poses la question que dans le MRC, tu peux me dire que c'est vrai qu'il y a trois directs. Elle dénigrait le professeur Mendoza, le professeur Kanto. Elle disait que non, je ne peux jamais. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Il ne peut pas. Il n'a rien d'un président. Vous avez compris son langage aujourd'hui? Parce qu'elle veut votre soutien. Une fille va chercher ses problèmes. Elle vient vous créer les problèmes à vous. Elle demande votre soutien. Et vous êtes derrière elle. Une fille est partie créer ses propres problèmes. Elle voulait 30 millions. Vous dites que le Cameroun va mal. Et sa carte de sujet, elle a montré que ça finissait en 2030. Cette fille-là ment. Elle est venue sur Facebook. Elle vous a mis une carte, un récépissé qu'elle est partie fabriquer. Elle était là. Est-ce que je vois ça seule? Est-ce que vous ne voyez pas? Ou vous me détestez seulement? Ou vous avez seulement besoin de malheur de vous trouver? Quand elle salit le gouvernement, ça ne va pas vous donner les points. Ça vous salit. Ça vous dénigre. Ça ne vous donne pas les points. Regarde-moi celui-là. Robert Ondombo, je te lis. Dans un pays normal, tu dois rembourser les 30 millions. Et lent. Quelle manière. Dans un pays normal, tu dois rembourser 30 millions là. Donc un gars me drague, il me choco. Tu dis que. Quelle manière. Meuf. Dans un pays normal, tu dois. Demande d'abord à Mvoutou de rembourser tout ce qu'elle a volé là-bas, si même qu'on l'a bien en prison. C'est quoi ça que finalement qui dit la vérité? La vérité sur quoi? La vérité sur quoi? Mais finalement qui dit la vérité? Quelle vérité tu parles? Pose la question. Oui, mais non, on se déstresse. Mais dites à la faiblesse là qu'elle prend Amourou une place. Qu'elle ne pense pas qu'en allant, mais qu'elle va être la première dame, elle va être madame Moudi, qu'elle va être madame telle, elle va être tous les Camerounaises. Je vais la laisser. Malène Mvoutou. Au début, tu as parlé du Quai d'Orsay. Après, tu as parlé d'Interpol. Après, tu connais les plus grands directeurs de quoi? Tu as les cas de visite de ça. Maintenant, tu m'as dit que tu as fait la prison, donc tu connais les bandits. Même si le voilà, 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 tu vas les appeler. Pourquoi tu cries? Dans ton direct, tu as dit avec ta bouche. La famille, je suis désolée, pardon. Je suis désolée. Malène Mvoutou, viens t'asseoir, bois un peu l'eau. Bon, on passe à la partie très croustillante. Faites un tour de partage. Protégez ma page, ils veulent fermer. Faites un tour de partage, on passe à la partie croustillante. Mettez-y à Mvoutou, viens t'asseoir. Hey, Mvoutou, avant que je revienne, appelle le gars qui écrit pour toi. Parce que c'est le même gars qui a commencé à écrire pour moi. Tu as dit que le poste que j'ai fait, on écrit. Oui. C'est le même qui écrit pour toi qui a décidé d'écrire pour moi. Donc appelle-le déjà au téléphone pendant que je suis encore en ligne. Je arrive, je vais t'expliquer ton histoire. Vite, Job.
Mvoutou, viens ici. Viens ici, viens ici, viens ici, viens t'asseoir. Viens, 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 viens. Mvoutou, viens. Viens, mytho de la République. Menteuse patentée. Viens là. C'est un journaliste qui vient de m'appeler. Qui m'appelait. Tu m'as vu couper le direct, non? Tu m'as dit que si je pars au Cameroun, quelqu'un me reçoit, tu vas l'insulter. Ils m'ont tous invité. Ils m'ont invité tous. Qui a annoncé officiellement dans son émission au Cameroun que le professeur Jérémy Nozé était serpentologue? C'est comment il s'appelait encore là? Il s'appelait encore qui est... Il avait une bouche comme ça, un genre là. Le journaliste là. Une fille est venue faire l'annonce en direct. Le professeur a demandé qu'on coupe l'émission. Ça s'appelait... L'émission là s'appelait quoi? L'émission là s'appelait quoi? Pardon, écris le nom de l'émission là, j'ai oublié. Écris. Je vais te servir ça. Je vais montrer à tous les Camerounais qu'on est Zezeminga, que tu es zéro. Tu me vois en direct, non? On m'appelle, je coupe. Parce que c'est élément clé. Ningom, joli Ningom. L'émission s'appelle À cœur ouvert. C'est, merci, Gilbert Martial. L'émission s'appelait À cœur ouvert, joli Ningom. C'est là-bas qu'on a annoncé officiellement devant tous les Camerounais que le professeur Jérémy Nozé était un serpentologue. C'est une fille qui est venue annoncer. Il a demandé qu'on coupe l'émission. Malène Mvoutou, je vais te corriger. Nyate Foumi, je vais te presser. Tu prends les Camerounais pour les totos. Tu joues avec les Camerounais. Donc tu nous as pris pour la mascotte. Tu penses que comme tu es devenu mascotte, on est tous des mascottes. Notre pays souffre. Nous tous sommes. Personne n'a dit non. Elle me dit qu'il n'y a pas de décret pour dire qu'on se représente pour un parti. Oui, mais puisque tu sors tellement dit qu'il va se représenter, qui t'a dit qu'il se représentait? Il a déjà annoncé. C'est à Joli Ningom, à la télévision Sia TV, où ton père était directeur général et tu étais son adjointe, où tu étais sa maîtresse, sa niasseuse. Dans les bureaux, dans les murs, dans les toilettes, partout. Tu grattais ses cheveux pour enlever les pellicules. Qu'on a annoncé qu'il était serpentologue. Toi et moi, on va s'exiler. Je demande pardon à la famille du professeur Malène Mvoutou. Je suis désolé, mais ma mère est encore vivante. Le manque de respect de cette fille qui a approché votre famille, c'est trop. Elle n'a pas laissé son parti se reposer tranquillement. Tout ce qu'on a entendu comme phrase, c'est ce truc-là qui dit que la personne qui écrit tous les textes que tu mets sur ton mur, là, il a décidé d'écrire pour moi. Parce que j'ai des auditeurs, docteurs, qui ont le doctorat. J'ai les ministres. Il y a les présidents qui me regardent. Même Théodore me regarde. Donc, comme je suis tellement bête et que tu sais que je ne sais pas écrire, il a décidé que comme il écrit pour toi, il va commencer à écrire pour moi, Binté. Parce que j'ai les auditeurs qui lisent aussi. Il faut qu'ils lisent le testament. On va écrire et on va faire le direct en Mvoutou. Je mens. Là, je viens de mentir. Combien de Camerounais viennent écrire que j'y pointe Joli Ningom, à cœur ouvert. C'est là-bas que c'était annoncé officiel devant notre continent. Le pater a dit que comme on dit que le continent. Tu ne fais rien au Cameroun. Tu ne dis rien de bon. Tous les autres qui t'ont écouté ont compris que tu es la honte d'un pays. Tu es la saleté d'un pays. Au début, on t'a écouté. On s'est dit, bon, peut-être... On a compris que tu es dans une dépression énorme. Que tu es en train de devenir folle. Et moi, Mvoutou. Tu vois les secteurs que tu étais avec ton gars qui monte dans ton cerveau. Tu le vois tous les jours. Tu ne peux pas manquer ton visage en direct parce que tu es en transe. Il est là, tu le vois comme ça, tu es devant. Il est en train parce qu'il en a marre de toi. Qu'il voulait même partir se reposer comme ça. Que le Cameroun même a les petites bonnes choses sur lui. Tu es en train de le salir complètement. Je ne peux pas te laisser parce que ma mère est vivante. Non, Chloé Messina, ce n'est pas mieux laisser. Je ne peux pas laisser Chloé Messina. Non. Si quelqu'un vient me faire ça et que mes enfants sont là et qu'ils ne disent rien, je vais me demander qu'est-ce que m'en a bien. Je ne peux pas. La pauvre malheureuse, souffreuse que tu as dit là, finis le carême, tu viens l'insulter.
C'est comme ça que tu traites ta mère. Tu méprises ta mère. Celle qui t'a porté 9 mois. Tu n'as pas de considération. Ce que tu as pu faire, c'est prendre son gars. Brosser ses cheveux. L'accompagner partout, le contrôler d'elle comme le mauvais esprit. Vous êtes dans le Mokwagne à deux. Dans tous les vous, les loges, tout ça. Tu étais dedans avec lui. Je ne peux pas laisser Gilbert Martial. Je ne peux pas. Metteya, je vous demande pardon. Chassez-moi du ZA. Je ne dis même plus si vous voulez. Ma bisiki, mon coupe, ma feu. Quand vous allez me voir devant un voutou, vous allez comprendre que mon mbe coûte. Que je n'ai pas peur que mon corps rentre soit au ZA, soit à Bambis, soit à Badenkop. Je n'ai pas peur sur la tête de mes 3 enfants. Un voutou, je vais te presser. Dans la vie, on ne suit pas n'importe quel fou. Il y a la qualité de fou qui marche nu là. Il y a des qualités de fou qui sont un peu habillés. Il y a d'autres fous que la folie est trop élevée. Si tu veux suivre un fou, il faut quand même suivre un que si tu parles, il peut entendre un peu. Toi, tu es la folle qui entend un peu quand on lui parle. Donc toi, je m'accroche sur toi. Moi, c'est comme ça qu'elle fonctionne. J'ai des cibles. Je ne parle pas avec les... Vous voyez qu'il y a beaucoup de porteuses de ça qui sont alignées dans la bande. Dans la première porteuse de ça, c'est Mdjarmen Ndiaye, la honte de l'Ouest. Il y a une bande de catégories de sales filles de l'Ouest qui se sont agrippées sur moi. Ils parlent de moi partout. Oui, oui, oui. La télécommande, je l'ai mis play. Parlez de moi dehors. Je ne vous gère pas. J'ai un couloir. Focus, le dos au mur, bien placé. Marlène Mvoutou. Tu veux dire aux Camerounais que tu prends les décisions dans un pays. Quand il y a des autorités, il y a un chef d'État, il y a une première dame, il y a les ministres femmes. Tu n'es rien de tout ça. Mais tu veux dire comment on va marcher. On n'amène pas les bordels à la présidence, les fumeuses d'un coup. C'était les mêmes maquerelles. Maintenant, c'est les vendeuses d'un coup avec les Nigériens. Demain, c'est qu'ils avaient tué. Oui, on amène qui on veut. La bordel que tu insultes au Dieu, que tu pleures. Tu m'as demandé, hey, j'allais oublier la partie là. C'était trop pertinent. Oh, amour. Tu m'as demandé que tu aies dit que j'ai 3 enfants avec un homme. Je me mets en public. Je dis qu'un papa, oui, un papa qui m'a dérouté, comme il couchait avec les enfants parce qu'il faisait l'insecte. Le professeur couchait avec les enfants, les petites filles. Tu le sais, un bouton. Dans sa sorcellerie, on lui demandait ça. Tu vois la bordelle que tu dis qu'elle est partie border de chez ton père, chez ton binda, où tu pleures parce que tu souffres, parce que tu vois que ton gars m'a tchakalisé un 330 000 millions une fois. Ouais, Gilbert Martial. Je te dis que... Mais Gilbert, tu n'as pas vu dans le direct où elle a dit que même si elle était la maîtresse, c'était la maîtresse préférée. J'étais sa maîtresse préférée. Merde. Ouh, ouh, ouh. Tu ne gères plus bien les sectes là. C'est plus fort que toi. Tu n'avais plus à gérer vos trucs là que tu gérais avant. Ça monte dans ton cerveau. Je vais te rendre dingue ici sur les réseaux. Tu vas te déshabiller un voutou à Paris. Si tu penses que quelqu'un a peur de toi, il y a des ministres femmes au Cameroun, il y a des directeurs généraux, il y a des commissaires, des généraux, il y a un président. Tu veux dicter le Cameroun, toi qui? On est dit, on est ça, une zezeminga. Quoi, Valette, quoi? Répond aussi à J. Point. Je lui réponds quoi? Il m'a appelé. Il faut me dire. Je réponds à ceux qui valent la peine. Moi, je ne parle pas avec les petites filles. Vous voyez les petites filles là qui sont en jambin là. Elles sont comme le mauvais esprit en Europe. Parle pas avec tous les sales. Non. Il y a les fous qu'on suit, ceux qu'on ne suit pas. La folie de Madame Moutou, je suis. Elle a, vous avez vu après ma sortie, mes révélations, la sortie qu'elle a fait, non? Bon, je suis parti à la gendarmerie. J'ai déjà fait averti. Tu averti quoi? Donc tu as peur, tu peux encore averti. Le premier direct que tu as fait sur moi, tu es effacé. Les millions facilement qu'à Malène Mvoutou. Bouba Bela, tu as tout dit. En fait, Malène Mvoutou a cru qu'elle était le centre du Cameroun. Elle a pensé dans son cerveau d'oiseau, dans sa cervelle de psychopathe, pleine de sectes qui commencent à la dépasser, à gérer. Qu'elle était importante pour le Cameroun. Ma chérie, ça ne me regarde pas. Malène est une femme. Elle a mangé dans le gouvernement.
J'y point parle pour lui parce qu'il a eu ses problèmes, il est parti. Malène Mvoutou a volé dans le Cameroun. Je dis que les Camerounais, tu as vu comment ils ont écrit le nom du journaliste où le serpentologue est sorti. Je ne clash pas, je dis la vérité. Joli Ningom, c'est chez lui que l'affaire de serpentologue a pété. On a fermé l'émission, on a coupé ça en direct. Une jeune femme camerounaise, petite, était venue raconter son histoire. Ouais. Il ne pouvait pas m'avaler. Elle a dit qu'elle est sorcière, qu'elle est partie maintenant, la sorcière, elle ne m'a pas vue. Elle vous a dit ça, non? Qu'elle est partie dans la sorcière, elle ne m'a pas vue. Elle ne peut pas me voir. Parce que ma reine de grand-mère est là. Et le Dieu que je prêche, elle ne peut pas. Mvoutou, tu ne peux pas me voir nulle part. Tu peux me chercher. Tu tournes, tu retournes, Mvoutou. Tu ne peux pas me voir. Parce que je suis debout, parce que j'ai foi. Ma foi, tu ne peux pas me toucher. Ton gars qui était tellement puissant, il n'en est sur moi. 4 heures, il ronflait si bien que le voisin disait que voilà, arrêtez. Voilà, il y a quoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il était paisible. Il était serein. Il avait trouvé une âme pure. Il voulait même prendre. Mais, il m'a tchakalisé financièrement. Je donne le tchakap. Professeur repose en paix. Il m'a tchakalisé financièrement. Parce que j'étais femme. Un vautour. Ouais. J'étais femme. Fais pas à qui? Mais je vais sortir. Hein, la première, elle mettait. Hein, les bordels. Tu es la plus grande bordel du Cameroun. Ce que tu as fait au Cameroun. Tous les gars des footballeurs, tu es ancré dedans. Tu passes ici, tu es quatre. Comme toute bonne fille boulou. Tu passes là-bas, tu es quatre. Tu passes ici, tu es quatre. Ton père t'amène pour signer les contrats en Guinée équatoriale. Tu es quatre. Il t'amène quelque part à Paris. Tu es quatre. Tu vois le nom. Puisque tu cherches tous les noms. On dit que directeur, tu peux écarter pour finir par tomber sur un boulanger. Je suis marié à un blanc. Vous pouvez venir faire que je sois avec la femme d'un blanc. Tu es la première à être mariée à un blanc. elle a pris le dernier des clochards en France. Qui ne peut pas lui payer une Porsche Cayenne. Ouais. Ouais. 120, 125 colos. Héros. Il peut te payer ça. C'est la voiture. 125. Ce que tu as à côté là peut te payer ça, 125. Tu vois mes voitures, non? Les musiciens que tu appelles là, tu vois comment ils m'appellent, non? Il y a 15 ans en arrière, Mercedes Toilette. C'est Kitoko qui commence à m'appeler avec mes voitures dans la place parisienne. Après Toilette. Après Range Rover. BM X6. Ça ne dure même pas trop. Porsche Cayenne, bam! Joli peut te payer ça. C'est un noir. Un noir. On parle à mon blanc. Les blancs. La femme d'un blanc. Vous venez parler à la femme. On va venir m'arrêter. La femme d'un blanc. J'ai fait mon testament. Si tu as fait ton testament, tu as bien fait. J'ai préparé mes obstacles jusqu'à la musique. Tu as très bien fait. Peut-être qu'il est temps que tu pars retrouver ton bon gars. On est fatigué avec toi, tu nous fatigues. Il est temps que tu pars te retrouver ton bon gars. Entre-temps, tu joues avec la sensibilité des Camerounais. Tu viens les mettre dans le faux comme tu as fait. Si tu n'avais pas autant volé avec ton propre gars qui était ton père, qui montait sur toi, tu pouvais être crédible. Si tu ne sortais pas du Cameroun tout récemment, comme tu es venu t'exiler en France, là, que même dans 30 ans, et vous tous, janvier, tu dis qu'il y a le prochain régime. C'est vrai. Même avec ce régime, tu n'entreras plus. Tu es exilé à vie. Et pour ta gouverne, les chefs, les ancêtres ont commencé à taper les tam-tams sur toi.
Malène est 100 fois plus belle que moi. Ouais. Tu te manques pour ton moral. C'est pour ton moral que tu dis ça. Toi qui viens d'écrire que Malène est plus belle 100 fois que moi. Elle a dit ça dans ses directs. Que tu es là, je suis plus belle que toi 100 fois. Après, avec la beauté n'est pas importante. C'est pour ton moral que, même pour ton moral, tu te mens. Malène ne passe pas où je passe. Elle ne me talonne pas. La preuve. Elle vous a dit qu'un homme ne me donne pas 100 000 euros. Ne peut pas me donner 100 000 francs. C'est un homme qui m'a donné tout ce que j'ai. Ce n'est pas deux. Un homme qui m'a donné tout ce que j'ai. L'empire que j'ai créé, c'est un homme. Avant d'être né d'une famille de quatre enfants, je les ai mis au sommet. Un homme. Je n'ai pas dit deux. Celle qui a fait le tour des hommes de la terre. Blanc, noir, chinois, jaune, tchadien, guinéen. Elle a tourné dans le monde partout avec les gars. Elle pleure. Elle sort du Cameroun. Demandez-vous 180 millions. L'imperturbable Sophie là, je vais te dire qui tu es en vrai. Je vais vous montrer dans ces réseaux si qu'un. Je suis en train de vous organiser quelque chose. Quand tu vas écrire comme ça ton faux profil, je vais te dire qui tu es en vrai. Mon fils, écris-moi maintenant, tu me dis qui est l'imperturbable Sophie. Parce que je veux qu'elle me parle avec son vrai profil. Écris, tu me dis qui est l'imperturbable Sophie maintenant. Donne-moi le téléphone là un peu. Tu peux te mettre sur l'autre là si tu veux regarder. Mon fils, dis-moi qui est l'imperturbable Sophie. Si tu peux me dire qui elle est écrite, tu me dis. Mon fils, dis-moi qui est l'imperturbable Sophie, je veux son vrai nom. Je vais vous donner vos vraies identités sur les réseaux sociaux maintenant. Vous qui avez les faux profils là. Je vais vous donner vos vraies identités sur les réseaux sociaux maintenant et je vais mettre vos photos. Elle dit que mon piment ne passe plus. J'ai vendu le piment un jour avec elle. Moi, je ne suis pas une bordel, je ne vends pas le piment. J'ai dit que la qualité d'homme que j'ai ne peut pas. Je ne peux pas mettre avec un homme qui accepte que je fais le truc là. Jamais. Parce que ce que j'ai, c'est homme. Les hommes que j'approche, que je touche, ce sont les hommes. Et je suis président de femme qui peut demander à un homme 1 million, 2 millions. Je n'ai pas faim. Je suis d'abord assise. Quand je viens, celle-là, elle vient maintenant pleurer, insulter le gouvernement, traiter la madame de tout ça. Elle vous dit qu'elle veut le changement. Elle pleure parce qu'elle vient de demander 180 millions sur votre argent. Elle était demandée 180 millions pour sa société de merde, qu'elle dit que l'association de quoi? De pourriture. On n'a pas donné. Elle a demandé le poste, on n'a pas donné. Elle rentre, elle est frustrée. Vous voulez quoi? Le beurre et l'argent du beurre? Donc il fallait qu'on prenne l'argent encore du contribuable. On donne encore comme elle a mangé avec son binder. Jusqu'à ce que la CIA ne ressemble à rien. On entre, les moquettes sont soulevées. Tu peux marcher comme ça, une moquette te prend, tu tombes de l'autre côté parce qu'elle a fini les fonds avec lui. Quand il y avait l'argent et qu'il n'y avait pas les problèmes, les guerres, tout ça, les problèmes qu'il y a. Elle vient maintenant, on n'a pas donné. La frustration fait en sorte que mon fils, écris-moi le nom des vrais profils, des faux profils qu'il écrit là. Donne-moi leur nom ici en direct. Avant que je ne parte, je t'ai vu que tu t'es connecté là maintenant. Il y a un faux profil là qui vient de parler là. Je veux que tu me donnes le nom de moi. C'est deux faux profils dans leur identité vraie qui sont. Je vais vous traiter sur ces réseaux. Vous allez souffrir avec moi. Parce que je vais vous dire une vérité. Je vais vous expliquer comment je suis. Maman de trois enfants. J'aime mes enfants, je les mets au sommet. Je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de mes enfants. Quand je passe avec mes enfants, tu dis qu'il y a enfants. Ce n'est pas la qualité des enfants en bain. Quand ils passent, les chaussures sont pliées, c'est coupé. Ils n'ont que les dernières collections. Je souffre comme une chienne. J'ai mal au dos. Je pleure. Je torche. Je tourne à gauche. Je m'en vais faire les astreins. Je pars là-bas parce que je m'occupe de mes enfants. Et vous tous. J'ai un peu parlé l'autre jour. Là, ça a un peu glissé. Il faut que je me calme. Je ne peux pas tout te dire. Mes enfants sont nés en France. Mon fils est né en France. Tu vas pleurer. Demain, prends mon direct.
Va avec au commissariat. La gendarmerie, oui, les petits bleds où tu habites là. Tu es dans les bleds où quand il y a une maison, après 30 minutes, il y a une autre maison. Le village où tu habites là, tu as raison, c'est la gendarmerie qui est là-bas. Parce que les commissariats, il n'y a pas dans les villages comme ça, retirer un jar là. Prends ça, va le dire. Tu vas me voir devant toi. Tu as dit que tu vas prendre le couteau. Je vais te taper avec ton couteau et un couteau. Attends, je vais m'exprimer en Bami. Attends, je vais m'exprimer en Bami. Yamela. Yamela, non. Yamela, Yamela, non. Je me passe en bas. Ou vorde, que dire? Exprime-toi en français. Yamela, kabat, nyak, me biche. M'vite, zom. Yamela, celle-là. Et tout ce que tu as écrit, tu as ta carte d'élection pour le MSC, pour le vote. Si vous allez même voter, tu as une carte. Vous voulez prendre avec la force. Est-ce que tu es parti faire ta carte à l'ambassade ou bien au Cameroun? Je parle en français. Pileuse de tarot. Tu vas voir que tu es assise comme ça chez toi là-bas. La maison est sale. Quand on voit tes enfants, on demande que tes enfants s'y vont bien. Ou les enfants sont au Cameroun, ils viennent du champ. Non, non, pas l'Obani. Ou vorde que dire? Yamela, Yamena, Yamon Basamba. Le karma là, c'est moi qui vais la finir ça. Et vous tous, je t'envoie en psychiatrie. Quand Jolie aurait marre de toi, c'est lui-même qui va appeler l'hôpital des fous que venait me la ligoter, aller me la mettre là-bas. Lève-toi demain, insulte qui tu veux, mais si qu'était. J'étais invitée par le cabinet de la première dame. Parce que j'ai pris mon visa. Quand tu prends un visa en France, le Cameroun, c'est que tu es en train d'arriver. Même si tu prends pour 6 mois, ils savaient que j'arrivais. On m'a dit, vous avez une invitation. Quand je suis arrivée, je ne savais même pas quoi porter. Parce que je n'étais pas prête. J'ai amené le pantalon au... J'ai amené, on m'a dit que ça ne passe pas, il faut le gant. C'est ma soeur qui m'a verré son gant. Ma soeur qui m'a fait que je peux au Cameroun passer les réunions familiales, c'est devenu ma grand-mère. Elle m'a dit que tu tapes poteau, que tu ne peux pas me voir nulle part. C'est elle qui a pris ma grand-mère. Elle dit que tu ne peux pas me voir nulle part. Que ce que tu dis que tu fais là, que essaye de me chercher encore, tu as fait une fois, essaye encore. Elle va te frapper. Si ton bon gars, qui pleure, que tu pleures devant tous les Camerounais. Le professeur, il avait menosé. Le professeur, il avait menosé. Dis que mon chéri d'amour, mon gars, vous parlez de mon gars comme ça, je vois parce que mon gars n'est plus là. Si mon gars était là. Les vous que vous aviez à deux, si tu as laissé que tu n'avais pas canalisé et que tu pensais que. Si lui, il m'a prise petite. Tout le Cameroun savait que c'est le serpentologue. Et pour ta gouverne, je reviens dessus, j'avais zappé. Tu as dit oui, tu vis avec un homme ou tu vis seul. Tu as dit que tu as 3 enfants avec le même père et tu te mets, tu racontes. Oui, c'était ma jeunesse, je ne le connaissais pas encore. Il me dit que y a mien. Je ne connaissais pas encore le père de mes enfants. C'était la Tchétchénie, ma chérie. On était en mode Tchétchénie. Pendant que ton père, ton binder, te nommait à la FECAFOOT et à la CIA TV, où tu signais tout l'argent du Cameroun, les milliards, c'est toi qui décaissais. Nous, on était au front. La Tchétchénie était en train. On était au front, ma soeur. Je partais où? Je pouvais glisser sur lui. J'avais l'autre. Qui devait me donner 30 millions comme ça en 3 semaines? Le zing, zing, wang, 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 c'est passé. Qui devait me donner ça, malin, vous tout? Quand on faisait du sale au Cameroun à notre jeune âge, à El Campero, un jour te parle beaucoup, il te donne 100 colos, 200 colos, 300 colos. Maman, tu rencontres quelqu'un dans la salle, il donne le pourboire, 1 million et demi, 1 million de francs CFA de pourboire, 1500 euros. Pourboire, on met les pourboires, 1500, 200, il donne 1 million de pourboire. On m'envoie fronter vers lui pour compte, parce qu'on sait qu'il va me donner le pourboire dès qu'il va avoir une fille de chez lui. Et il donne le pouvoir là et il me dit, yeah,
Il y a un Il dit que d'accord, professeur. S'il n'avait même pas dit de lui demander que professeur te voit comment. Oh, ma fée. Il dit que c'était une boudnga. Elle ne connaissait pas le père de Memouna. S'il ne m'avait même pas invité de lui demander que, ah, professeur, ya, tu rentres quand? Est-ce que je peux venir te dire bonjour? Je faisais l'entrée en matière, petite bleue. J'étais au front. Ma mère marchait avec les valises de 50 millions. Je te dis que j'ai signé les milliards. C'est moi qui contrôle le budget. J'ai décaissé ce que je voulais. Je t'avais dit ça. Est-ce que je t'avais dit que j'avais cette facilité, maman? J'étais au front. Hein? Donc, ma chérie, si quand le professeur de la salle m'a envoyé pour qu'il donne le choco, du pourboire, s'il ne parlait pas de manière qu'il y a, parle. Je passais comme ça, j'essaie l'eau. Hey, professeur, Yangue, je prends encore l'eau, je remplis. Il a seulement bu comme s'il a posé. Ce n'est même pas encore bien fini. Je viens encore passer seulement parce qu'il fallait qu'il me niait bien. Ma chérie, j'étais au front. Parce que pendant que tu signais les milliards. Hey. Il fallait payer mes études. Ma mère n'était pas riche. Mon père l'était, mais il est parti tôt. Ma mère ne l'était pas. Donc, chérie, je ne suis pas née avec une cuillère dans la bouche. Depuis que tu es née, tu manques dans le gouvernement. Tu as dit que ta mère était trop riche. Toute sa famille était trop riche. C'est l'argent du Cameroun que vous mangez comme ça. Tu rentres, tu viens pleurer. Tu veux continuer à manger, même quand les temps sont durs. À l'époque, là, ça allait encore un peu. Il n'y a plus. On ne te donne pas. Tu deviens folle. Ouais, les femmes pas instruites. On n'est pas une femme instruite. Maman, il y a une manière. Tu étais trop instruite, qui t'a pris? Depuis que tu marches dans les pays partout, comme tu es là, comme le mauvais esprit, tu es trop instruite, qui t'a pris un bouton? Personne. Hey, ma chérie. Je suis prête pour toi. Oui, je suis prête. Pour toi, demain, après-demain, le jour qui suit, je suis prête pour toi. Donc, va à la gendarmerie de ton village. Demain matin, quand tu te lèves, tu vas à la gendarmerie, tu dis que vraiment, je sors de mon pays natal. Et j'ai demandé de l'argent là-bas. J'ai exposé mes problèmes, mes projets. Personne ne m'a calculé. Quand je suis rentrée, je suis venue insulter la première dame de ce pays dans mon mur. Il y a une citoyenne qui est sortie, me dit, non, je condamne. Même si à quoi tu peux te mettre en prison pour être la première femme, la première dame du Cameroun. Non, tu ne peux pas manquer de respect à la première dame du Cameroun alors que ton père, tu étais dans ce gouvernement et ton père. Tu l'as dit, qu'elle a dit qu'elle est moi. Comme je dis dans les réseaux sociaux, que je suis très forte, que j'ai battu un homme. J'ai insulté sa mère, j'ai insulté sa soeur. Elle a décidé qu'elle est moi, on va se battre parce qu'elle dit que je suis forte. Je lui ai dit que j'avais les relations avec le Quai d'Orsay, avec même les bandits, puisque j'étais en prison. Je lui ai aussi dit que je connais même les Wesh. Et je lui ai dit que moi, là, le FBI, tous les renseignements sociaux savent que je suis protégé en France. Elle a toujours dit qu'elle et moi, on va se voir, on va s'affronter. Je viens vous avertir que même André, elle a dit qu'on va se toucher. Hein, tu esquives. Moi, on ne fait pas les dingas. Non. Bam, bam. Tac, tac, tu esquives. Tu vas confirmer que c'est de catégorie en catégorie. Je te dis que demain, prends ta caméra. Insulte qui tu veux. Un grain de sable fait quoi dans la mer? On s'en fout de toi. Tu ne peux pas diriger un pays. Tu peux pas donner les ordres. Donner les autres, tu peux diriger un pays. Tu n'es personne. Tu as fait trop de mal dans ce pays. Tu as volé l'argent du contribuable avec ton père, qui était ton copain, le mari de ta mère, qui est devenu ton copain avec qui tu couchais. C'est pour ça que ça t'a fait mal comme ça. C'est pour ça que tu souffres tellement comme tu souffres que tu n'as pas pu supporter mon direct. Parce que j'ai révélé devant tout le monde entier que toi, tu couches avec ton père. Qui était le gars de ta mère.
Oui. Même le faux-on, tout le monde a vu ta sortie. Tout le monde a vu ta sortie. On a compris comment tu t'excitais. Tu étais. Oui, une bordel, les vieux. Même un vieux t'a dépassé à maîtriser. Tu n'as pas eu ta part de vieux que tu pouvais maîtriser qui avait le nom. Parce que moi, même si 40 quelque chose, je ne suis pas encore 45, 40, 40 là, là, là. Il y a un vieux, 70 ans, Makembili. Il y a mon gars que, pardon, mieux vaut, chacun prend un peu. Je dis que je pars. Jalouse, pleureuse, saleté, pygmée de Yoko, coupier, comme ça, pileuse de pommes, de plantain, le touba. Tu ne vas plus au Quai d'Orsay, maintenant tu vas à la gendarmerie. Les petits villages, c'est la gendarmerie. Quand je vais arriver, tu vas les appeler. Tu vas voir comment ils vont les répondre. Oui, bonjour, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe, madame? On a été appelée parce que oui, je suis venue chez elle. Je suis venue la voir. Elle a dit qu'elle était très forte, que si elle voit quelqu'un va passer, elle insultait ma maman en direct. J'ai dit, monsieur, ma mère vit. Ma mère nous a élevés. C'était pas facile. Elle insultait ma maman en direct. Je suis venue qu'elle me le dise en face. Je vais leur dire ça, elle vous tout. Ils vont me dire que non, vous devez rentrer chez vous, c'est pas normal, calmez-vous. Non, vous, je vais partir. Mais où encore? Un vautour, tu me connais pas. Je vais revenir. Jusqu'à ce qu'on va se tamponner, qu'on se donne les coups. Pas une fois. Hein. Je ne fais pas une fois avec toi. Hein. Pas deux fois. Hein. Je vais te faire ça. Ton joli que tu dis que marié à une blanche, une femme mariée à un blanc, il te méprise, ces blancs. Tu penses qu'un Français, une autorité, peut te préférer à la première dans un pays? Mais tu bois quoi, ma chérie? On nous dit, ah, qui est ton toit, Banga. Je te bloque d'abord. Bannis. Ah, je te bannis d'abord. Va faire la sorcellerie ailleurs. Il s'appelle encore qui là? Valèze, quoi? Va faire ta sorcellerie ailleurs, Valèze. Le gong, le grand, vas-y. Va faire ça ailleurs, pardon. Va chez Malène Mvoutou. Attends-moi là-bas. Va là-bas, insulte-moi bien. Kabat. Ndurungeme. Mvoutou, je vais revenir. Tu vas m'amener au tribunal. Comme tu dis que tu manipules beaucoup là, je vais seulement couper la partie là. Je vais prendre un expert. Il va seulement couper la partie où tu as dit que même quand je vais au tribunal, j'ai tort. Je connais comment manipuler. Je vais te montrer que c'est de catégorie en catégorie. Je vais te rendre, je vais te faire perdre la tête. Tu ne vis pas avec tes enfants. Tu sais mon avantage? Je suis avec mes trois enfants. Mon fils, le deuxième et ma fille. Donc je vais te faire bouger. Oh, yeah. Apparemment, je vois là que tu es en direct. Ouais, tu vas sortir. Je te dis qu'il n'y a pas de carême pour toi et moi. Il n'y a pas de couvent. Tu restes là. Insulte qui tu veux. Ils vont régler ton problème. Tu commences à paniquer, non? Parce que on t'a dit certains trucs ou tu sens certains trucs en téléchargement, non? Que oui, on a tué J.Remingo, non? On a, pardon, on a tué comme un Martinez Ogo. Ils ont même tué le professeur Mendoza. Vous me tuez, vous ne restez pas mourir. Ils ne vont pas rester mourir. Mais tu vas sentir, même où tu es là-bas. C'est en téléchargement. Est-ce que c'est qu'on fait tic-tac? Non, le gouvernement n'agit pas comme ça. Ils prennent des mesures, ils regardent tout. Tu vas confirmer ça là-bas. Ils vont faire pour eux là-bas. Mais ce qui était, toi et moi, on a pour nous. Ouais. Elle en direct. Je vous laisse partir l'écouter. Je vais lui répondre. Tu as compris que je ne suis pas toutes les ngala que tu fais ce que tu fais avec eux là. Moi. Te fourmis, je vais te presser. Les faux profils là, je vais vous avertir. J'ai décidé quelque chose. J'ai pris un expert pour vous. Tout ce que je lui ai demandé, c'est vos vrais profils. Et je vais vous afficher avec vos vrais noms et vos vrais profils ici sur les réseaux. Écrivez-moi avec vos profils, je vais vous considérer. Tant que vous m'écrivez un faux profil, vous n'êtes même pas des fans refoulés. Tant que vous allez m'écrire votre profil, je vous considérerai.
sur ce famille. Et vous ne faites peur à personne. Elle dit que tous les journaux parlent d'elle. Merde! Une femme qui veut se rendre un jaja, que tous les journaux parlent d'elle. On ne parle que de Malène Nvoto au Cameroun. Vous savez, lui, quand Malène Nvoto parle, le Cameroun parle. On parle de Malène Nvoto. Les presses parlent de moi. Tu ne passes même pas dans la chronique qui parle de toi. C'est les chaînes d'Urungum. Les chaînes qui n'ont pas de visibilité, qui ne sont personne. Ils ont besoin d'une visibilité pour voir. Oui. Ils ont besoin de visibilité. Ils parlent un peu de toi pour prendre quelques maigres petits abonnés. Une vraie chaîne au Cameroun ne peut pas parler de toi. Envoutou. Une vraie chaîne au Cameroun ne peut pas parler de toi. On parle de qui? Une femme qui n'a... Tu as fait quoi pour ton pays? Tu as conçu quoi là-bas? Tu as fait quelle œuvre au Cameroun? Tu as fait quoi? Tu viens en France, tu vas voir les Blancs avec ton clodo qui est à côté, qui a les joues comme ça pompées là, qui est boulanger. Tu pars avec dans les mairies, tu dis que j'ai l'association, on te donne les chaussettes Nike. Où sont les chaussettes Nike qu'on t'avait donné? Nike t'avait donné pour les orphelins, pour ton association. Tu as donné à qui au Cameroun, on a vu? Tu allais vendre ça dans les quoi sports au Cameroun. Abimo Swante. Abimo Swante. Tu vas dans les secours catholiques. Tu vas partout dans les maïs. On te donne les sacs. Tu m'appelles. Moi, la pauvre, tu dis que je suis trop pauvre. Ma mère est pauvre. Mais tu m'as appelé quand tu étais au Hilton pour me dire que ma soeur, pour me dire que ma soeur, je fais quoi? Ma soeur, tu manques. Ma soeur, tu manques trop. Oui, tu dis trop la vérité. Je manque, je sais, papa. Si c'est Guy, quoi, là? Tu dis tout là, chacun a ses adeptes, non? C'est moi qui ai écrit ici que Jolie Ningom, que c'est Pantolo qui s'est passé là-bas, c'est moi. C'est moi qui ai écrit. N'est-ce pas, c'est moi qui dis que le régisseur, c'est lui qui m'a mis en, dans la salle. C'est moi qui ai dit qu'elle était à la CIA TV. N'est-ce pas, Malène vous a dit qu'elle coiffait tout, elle coordonnait tout. Demandez-lui de demander à la secrétaire mon nom. Il y a les archives, non? On met les cahiers à la réception. Une secrétaire, quand tu reçois, quand le cahier de réception est plein, tu mets à côté. Demandez-lui s'il y avait mon nom. Tu mens. Elle est devenue folle comme ça, pourquoi? Parce que j'ai décrit le corps de son, le gars, le corps de son gars. Elle pleure. Oui, je préfère, gars. Mais l'édition divine, oui. Elle pleure. Elle pleure parce que je suis venue dire une vérité mondiale que tout le monde... Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gars qui nous sont corps. Elle connaît que je dis la vérité. Je demande pardon à ceux que j'ai blessés. Mais je vais mettre un bouton en bas de mes chaussures. Tu t'excuses de dire cela, pourquoi est-ce qu'elle te gère? Guy Ouno, si c'est Ouno, je m'en fous de toi. Tu t'excuses si Jésus. Écris ton français des blancs. Il faut soutenir la bêtise. Tu es au Cameroun, tu as mangé. On a dit. Tes études sont payées. On paye ta fac. Une Durunga me sort de là demander 180 millions. Tu viens dire que tu manques. Il fallait qu'on lui donne encore. Elle parle beaucoup. Elle dénonce. Elle dénonce quoi? En volant, en repartant encore en 2024, pendant que les temps sont durs, fin 2023. Demandez l'argent au Cameroun encore. On ne donne pas, elle sort et vous s'y fait dehors. Elle invente, elle raconte des trucs. Tu me dis que quoi? Que je m'excuse parce que tu écris que je manque. Maintenant, tu te suis Jésus pour tes excuses. M'en fous de tes excuses. Je m'en tape de tes excuses. Allez pleurer là-bas. Va chez elle, insulte-moi. Viens, ne me loupe pas. Mon problème, c'est quoi? Envoutou, il y a un truc qui ne manque pas. Me voici devant toi. Tu ne passes pas où je passe 1 million de fois. Ton petit film que tu as dans la tête là, c'est pas avec moi, Envoutou. Mais une femme, mais une minga. Je porte même les couilles de certains hommes. Comme pour Jolie là, je porte ça. Parce que c'est une tapette. Donc moi, tu ne me fais pas ça. Va bien encore le dire à la gendarmerie. Je vais leur dire que tu as insulté ma mère. Vert ou jaune et lang. Abimte, je chacalise la signature. Le pâté a dit que le continent. Va pleurer. Tu ne les insultes pas, mon nom. Il faut que les Camerounais soient d'accord. Si tu es forte, concentre-toi sur eux. Ne dis pas que c'est mon nom.
Tata, c'est comment Sylvie Moundé? Maintenant qu'elle n'est plus dans la mangeoire, elle veut tuer les autres parce qu'elle sort demander. Il fallait qu'avec les tendus ici, le Cameroun a les problèmes. Il faut régler les problèmes. On prend encore 180 millions, on donne aux Ndorongueme, les tonneaux, le pygmée de Yoko, pour qu'elle nous laisse tranquille. Elle dit qu'elle parle trop. Elle va trop dire. Ouais, je vais les appeler. Appelle-les. Je n'ai jamais parlé avec la première dame. Si on m'a invité sur le cabinet, parce que je suis une féministe, parce que je conseille les femmes, je leur dis qu'on peut réussir ensemble. Je ne viens pas les narguer avec les sacs Chanel. Je leur donne en direct. Quand je porte ça, une femme me dit ça me plaît. Je prends, j'envoie au président, je plie, j'envoie chez elle. Elle veut tout. Tant que j'ai les rouges à lèvres, les 50, les bourgeois de marque, on aime tout. Je dis que j'ai eu 50, je viens montrer. Je prends, je partage aux femmes, je fais dans les paquets, j'envoie. Entre-temps, toi, tu manges l'argent du contrôle quand vous êtes marié depuis longtemps. Ma mère, la pauvre que tu insultes là, c'est moi qui donne. Tu as donné quoi au Cameroun? Tu as conçu quoi un hôpital? Tu pleures qu'il n'y a pas les hôpitaux au sud. Le diable au souffle, ils n'ont rien. Quand tu étais à la CTI, pourquoi tu n'as pas fait voleuse? Minaï, mytho. Quand tu étais à la CATV, pourquoi tu n'as pas conçu les hôpitaux là-bas, au Djellobo, que tu pleures? Que le Djellobo souffre, il n'y a rien chez nous, on est lésés. Quand ton père était professeur, j'ai même osé, il marchait avec la machine, la valise d'habits, distributeur automatique, serpentologue des enfants de Tui. Pourquoi il n'a pas conçu les hôpitaux là-bas, dans le Djellobo, dans le sud? Tu voulais que qui vienne faire? Damas? Tu voulais qu'il vienne faire quoi? Tu voulais que qui vienne faire? Que comme l'Ouest a conçu les belles routes là-bas, il venait aussi faire là-bas. Ton père était là, non? Ton gars, ton copain, le préféré que tu es dans ta vie, il était là-bas, non? Il a fait quoi avec l'argent qu'il voulait? Même la CATV, il a arrangé. On a vu le passage de Française Ngannou à la CATV, au Swan. Quand tu étais à la CATV et que tu voulais l'argent, tu as arrangé le Djellobo, tu as mis les hôpitaux, tu as fait l'école, tu as fait quoi le dispensaire? Tu as fait quoi? Tu sors, je réclame ce régime. Ce régime. Il faut partir. Je vais te poser une question. Kabat, pygmée. Tout le temps, quand tu dis que on ne peut plus supporter. Le on là, c'est avec qui? Tu es avec qui? Le MSC. Tout le temps, tu dis qu'on ne peut plus supporter. On ne peut plus supporter. Nous sommes fatigués. Le nous là, c'est qui? C'est toi que tu te mets au pluriel. Le nous, c'est qui avec toi? Avec ton père dans ta tête, toujours ton bon gars, ton amoureux, le seul que tu aimais, et tu dans ton cerveau, c'est toi, nous, toi et lui. Vous qui avez tellement mangé, c'est vous deux. Parce que tout le temps, quand tu parles en direct, on ne peut plus supporter. Nous, on ne veut plus. On en a marre. Le on là, c'est qui? Tu parles pour qui? Parle pour toi. Je parle pour moi-même. Et tam. Famille, je vous embrasse avec mon cœur. Pas avec ma bouche. Ne me condamnez pas. Vous qui êtes là, vous ne pouvez pas accepter que on méprise votre maman comme ça. Et vous restez tranquille. Quand j'étais sortie, je ne l'avais jamais insultée. Elle dit aujourd'hui que j'étais sa fille. Je lui ai dit, au lieu de laisser une jeune petite fille aller commencer à torcher les fesses des watts, entendre l'odeur, elle est trop jeune pour ça. Il fallait qu'elle parte, elle travaillait. Et laisser les enfants là continuer à partir à l'école. C'est ce que je lui ai dit. Et je n'avais jamais parlé du professeur. Cette fille, c'est une mytho patentée. Aujourd'hui, elle a écrit j'étais son enfant. Elle est sortie comme elle insulte tout le monde. Comme elle insulte tout le monde, elle est sortie laver ma mère, laver ma soeur. Aujourd'hui, elle a pris Folie Tyrannie. C'est ton père qui l'a rendue comme ça. Il avait donné rendez-vous à 3 h le matin. Il devait s'habiller en noir rouge. Ton père. La sorcière qui était dans ton père, toi, tu connais. Les enfants de trucs que vous êtes partis. Moi, quand elle partait, j'avais peur. C'est parce que j'ai le mbenem. Et c'était le ngémé. C'était une tchétchène. J'étais au front. Pour ta gouverne, petite idiote, je ne connaissais pas le père de mes enfants. Abimté. Et j'ai chopé les dos. J'ai tombé avec ça jusqu'à. Mon compte était d'audit, je n'avais plus faim. J'ai choqué tous mes copines.
Parce qu'étant jeune, je ne considère. Je chocouais tout le monde. Et c'est juste après ça que j'ai rencontré le père de mes enfants, Marlène. Un an après. Donc, comme j'avais la poisse là, il a dormi sur moi pendant 4 heures, ronflé. Si bien il était fait comme ça, que oh! Si avec Kadiak, on va dire qu'à Mouroté ou avec O. Oh. C'est parce qu'il s'est senti paisible, apaisé. Il a senti une âme sûre. Parce que moi, j'ai un aura pour mettre les hommes au sommet. Et le père de mes enfants me dépasse avec 4 ans et un vautour. Tchaka. Famille, j'attends que les tons, le pygmée de Yoko, la mascotte du MSC, elle sort. Je vais te donner un rendez-vous aujourd'hui en direct, mais je ne te donne pas le rendez-vous en direct. Tu vas me voir face à face. Kérosène dit que le pétrole du village est devenu kérosène. Ouais. Un homme m'a rendu kérosène. Un, pas quatre. Un. Il m'a porté au Dza. Je ne suis pas allé trouver chez lui. Hein. Il m'a amené. Il m'a créé mon empire. Abimte. Bonne famille. Embrassez mes enfants que vous avez dans vos maisons. Dites-leur que vous les aimez. Ne condamnez rien de ce que je suis en train de faire. Je vous ai dit que ce n'était pas bien dans ma tête. Et je n'aime pas quand une femme me menace. On ne me menace pas. Surtout une femme comme ce que, celle qui bavarde là, qui se fait un jaja. On ne fait pas un jaja avec moi. Que ce soit les milieux, que c'est ce que j'ai fait. Elle ne peut pas faire ça. Faites attention à vous là-bas. Et priez beaucoup avant. Vous voyez les sorciers dans Facebook. Quelqu'un qui vient vous dire en direct que même mystiquement, elle est très forte. Qu'elle est partie me regarder, elle ne m'a pas vue. Bonne nuit, Sada. Bonne nuit, Chris. Bonne nuit, Karine Fouda. Bonne nuit, Marthe Yunga. Bonne nuit, Karine Abena. Bonne nuit, Nel. Bonne nuit, Kakore Dessi Sando. Bonne nuit à vous. Bisous là-bas. Bonne nuit, Karine. Faites attention à vous. Je vous avais dit tantôt qu'on ne vous fasse pas douter de vous. Bonne nuit, Girona. Qu'on ne vous fasse pas douter de vous. N'acceptez jamais que quelqu'un vous fait croire que vous n'êtes pas ce que vous êtes. Non. Vous savez que nos mamans, c'est la souffrance. Nous devenons grands, nous avons nos esprits. Et ce qu'on les fait vivre n'est parfois pas évident. Mais même si nous sommes quoi, même si on va voler, nous poussons, nous tape, elle va préférer se coucher sur nous. Aucun être humain ne passe peut-être qu'on vient mépriser sa mère en direct et elle applaudit. Alors, je ne fais que commencer. Bisous là-bas, faites attention à vous. Merci d'avoir.